Bonjour tout le monde, bienvenue à ce comité plénier spécial sur la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec. Bienvenue à ceux qui sont avec nous, ceux qui nous écoutent à la télévision, ceux qui nous regardent aussi par le truchement du web. Je demanderai d'entrée de jeu à tous ceux qui ont des appareils électroniques, de téléphone, de communication, iPod, iPad, etc., de les programmer en mode silence, s'il vous plaît, pour la bonne marche, évidemment, de nos travaux. Pour ce qui est de la procédure, je vais vous proposer une procédure, vous me direz ce que vous en pensez. Nous avons environ 4 présentations ce matin à faire, c'est-à-dire aujourd'hui. Je voudrais, moi, vous avez en main les documents papier, je proposerais que... Une fois la présentation commencée, qu'on laisse aller le présentateur jusqu'à la fin de son texte et ensuite on donnera la parole à ceux qui ont des questions à poser pour répondre à toutes les questions. Le but aujourd'hui, c'est ça, c'est de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Alors, après chaque présentation, j'aimerais que pendant la présentation, vous preniez les notes concernant les questions et après, je vous laisserai, pour commencer, mettons 10 minutes par élu, pour faire le tour, pour pas que quelqu'un prenne une demi-heure et l'autre 3 minutes, pour par souci d'équité. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, encore une fois, qu'on y aille par 10 minutes, question-réponse. Je ferai le tour des gens qui se sont inscrits sur la liste. Je reviendrai jusqu'à ce que vous ayez posé toutes vos questions par rapport à la présentation qui aura été faite. Est-ce que ça convient à tout le monde? Monsieur Bussière? Est-ce que ça veut dire que durant la présentation, on ne peut pas intervenir sur un bloc? Bien, moi, c'est ce que je proposerais, parce que souvent, on dérange le présentateur, et deux, on anticipe des fois des questions qui vont être répondues si on laisse le présentateur continuer sa présentation. Moi, je préférerais ça. Maintenant, si l'Assemblée veut poser des questions à tout bout de champ, c'est l'expérience, en tout cas, me démontre que ça vient plus complexe un petit peu. Oui, monsieur le maire? Pour connaître les différents blocs, je pense qu'allons-y bloc par bloc, laissons les gens présenter leur affaire et après chaque bloc poser question, sinon on n'y arrivera pas, là, parce qu'il y a une suite logique dans tout ça pour chaque bloc. Et je peux vous dire qu'il y a bien des questions qu'on va se poser qui vont avoir une réponse 2 minutes après. Alors allons-y bloc par bloc. Moi, je propose qu'on y aille bloc par bloc et là qu'on y aille avec toutes les questions qui ont posé. Je pense que ça va être plus profitable. C'est ce que je propose puis qu'on laisse les gens s'expliquer et prendre en note au fur et à mesure des questions qui nous viennent. Monsieur Bussière? Moi, je suis d'avis aussi qu'on aille présentation par présentation, mais quand on dit bloc par bloc, je comprends que le maire veut dire présentation par présentation. Tout à fait. Moi, je vois que déjà le premier document, dans une première présentation, il y a déjà des blocs, des sujets qui sont différents. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut s'arrêter à l'intérieur d'une première présentation ou on attend la présentation, puis par la suite, là, on va avoir nécessairement à faire face à plusieurs questions qui sont différentes par rapport à différents volets dans une présentation. Après chaque intervention, là, c'est simple, après chaque intervention de quelqu'un, on laissera une période de questions. Alors, on pourra poser des questions sur ce que la personne vient de dire. Alors, je pense que ça va être... je pense que c'est clair. Monsieur, vous aviez levé la main, Monsieur Guilbeault? Non, mais j'avais l'intention. Vous limitez à 10 minutes les questions. Les élus. Mais est-ce que à ce moment-là, si on a encore d'autres questions à poser, on ne pourra pas répondre. M. Guilbeault, j'ai pas dit que je limitais à 10 minutes. Là. Je dis que dans un premier tour, on va y aller avec 10 minutes pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Puis si vous n'avez pas terminé après 10 minutes, je vous reviens. Si on a besoin de 3-4 tours, je reviendrai à vous. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas des réponses à toutes vos questions. Merci. Je ne veux pas limiter, c'est pas le but là, de limiter le temps, de limiter le nombre de questions. On est ici pour répondre toute la journée s'il faut aux questions. Je ne veux pas limiter rien, je n'ai pas cette autorité-là. Monsieur Bussière. Je comprends bien que ces 10 minutes de questions n'incluant pas le temps de réponse quand même. Bien, incluant le temps de réponse, je pense, parce que... Ben là, on pose une question, puis quelqu'un nous répond 10 minutes, on a posé juste une question. Bien, je pense pas que les réponses soient 10 minutes, là. Non, mais là, c'est... Moi, je
Je pense que lorsqu'on a un temps d'intervention au conseil, c'est le temps... Écoutez, là, on peut y aller avec une question chacun, puis genre, je ferai le tour jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Là. Le but, c'est pas d'empêcher personne de parler. Là. On peut voir à l'usage, puis si ça ne fonctionne pas, ben on prolongera le temps. Ça va? Alors, dans un premier temps, si vous me permettez, je vais laisser Monsieur le maire, Monsieur Régis Labeaume, présenter l'introduction de ces documents de cette journée. Monsieur le maire. Oui, Monsieur le Président, je voudrais remercier nos trois quasiment panélistes pour leur présence. Et connaissant votre sens de l'humour légendaire, je vous demanderai d'y aller avec parcimonie parce que Monsieur François Moreau, équipé comme il est là, ne peut pas rire. Monsieur le Président, c'est une présentation à large trait que nous ferons aujourd'hui. Et tous les documents dont il sera question seront disponibles en format électronique et ça a été écrit dans les journaux dès ce midi sur le site Internet de la Ville. Aujourd'hui, on en est à une première étape. C'est un moment privilégié, je pense, pour aller plus loin dans l'appropriation du projet. Nous allons vous présenter le projet, l'équipe, le travail accompli jusqu'à maintenant, mais d'autres étapes seront à venir lorsque les documents seront tout à fait finaux, c'est-à-dire le vote au comité exécutif, le vote au conseil municipal et le vote au conseil d'agglomération. Les membres du conseil municipal et du conseil d'agglomération disposeront d'ici la fin avril de suffisamment de temps pour consulter tous les documents nécessaires à leur prise de décision avant les séances et ils auront à se prononcer. Je vous permettrai brièvement de rappeler les objectifs du projet. L'objectif premier, il y a 30 mois, c'était de doter la région et l'Est du Québec d'un équipement multifonctionnel et aussi d'un objet de fierté. On parlait d'un projet rassembleur pour notre région et pour l'Est du Québec, un projet attrayant pour faire de notre région une destination incontournable pour les producteurs de spectacles, un projet moderne dans le but d'accueillir éventuellement un club de hockey professionnel, un projet à la fine pointe de la technologie afin d'élargir l'offre de spectacles d'envergure internationale. Excusez-moi, ça parle un peu. Hein? Un projet flexible de manière à modifier la configuration de la salle passant de 18 000 sièges à 2 200 sièges, dépendant des spectacles et des besoins des artistes. Et finalement, un projet moderne suffisamment équipé afin de faire de la production télévisuelle. D'autre part, le choix du lieu d'implantation n'est pas le fruit du hasard, car il vise à consacrer la vocation loisirs et divertissement déjà existante à Expocité, à revitaliser un secteur de la ville en déficit d'attention depuis longtemps, c'est-à-dire le secteur Limoilou, à tirer profit du réseau de transport collectif bien établi et efficace dans le secteur, et enfin, à bénéficier du statut commercial du site, propriété et géré par Expocité. Au cours de la démarche, l'équipe de travail mandatée pour analyser et identifier les besoins du futur amphithéâtre a retenu le Council Energy de Pittsburgh comme modèle d'amphithéâtre. L'entente intervenue entre la Ville de Québec et Québécois Média prévoit un gabarit plus petit, voire plus compact, de notre futur amphithéâtre qui se compare toutefois à celui de Pittsburgh lorsqu'on y ajoute les mètres carrés de l'édifice occupé par le Ludoplex. Nous avons également porté une attention particulière à l'édifice de Kansas City. D'ailleurs, l'équipe de travail s'est déplacée à deux reprises dans les derniers mois pour visiter les lieux et discuter avec les gestionnaires de cet édifice, dont la vocation première et le plan d'affaires reposent sur la production de spectacles et d'événements sportifs. Nous souhaitons offrir aux Québécois un équipement qui leur permettra de vivre une expérience sensorielle de haut niveau lors d'un match de hockey ou d'un spectacle de calibre international. Et la présentation de M. Sylvain pourra vous faire la preuve de tout ça tout à l'heure. Au fil de nos discussions avec Québécois, nous avons toujours placé les intérêts des contribuables au cœur des négociations. Nous visions une entente de type gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous avons obtenu en privilégiant la conception d'un édifice qui maximiserait les revenus, tant pour la Ville que pour Québécois. Faut-il rappeler que pour le gestionnaire de l'amphithéâtre, Québécois, pour le bénéficiaire de gestionnaire de l'amphithéâtre Québécois,
tant qu'il fera du profit, les revenus de la ville seront maximisés. Concrètement, cela revient à dire que plus Québécois tiendra des événements à l'amphithéâtre, plus la ville fera des profits. Et laissez-moi vous rappeler aussi les paramètres des revenus. L'entente entre Québécois et la ville sans hockey professionnel fait que sur une moyenne de 25 ans, le loyer annuel sera de 3,15 millions. Avec un club de la Ligue nationale de hockey, le loyer moyen sur 25 ans sera de 5 millions par année. Sans club de la LNH, la ville recevra 15 % des bénéfices nets, avec un club 10 %. D'autre part, sans club de la LNH, la ville participera au déficit s'il y en avait un. Et finalement, sur tous les billets qui seront vendus dans l'amphithéâtre, que ce soit sport, spectacle, etc., la ville chargera un frais de 4 $ par billet. Alors, si on prend pour acquis que les matchs de hockey, s'il y en avait, étaient frais salle clombe, c'est-à-dire 18 000 personnes, c'est 72 000 $ par partie qui viendrait dans les coffres de la ville. On me confirme ce matin que j'ai ma place à presque ramasser 19 millions de $. Et ça veut dire, Monsieur le Président, qu'au moment où on se parle, dans l'hypothèse où de la présence d'un club de hockey professionnel, l'investissement préalable de Québécois, ajouté aux 19 millions de $ de J'ai ma place qui va dans le projet aussi, plus le 200 millions du gouvernement, fait en sorte que les partenaires paieraient 282 millions sur 400 pour le coût de construction de l'édifice, et la ville en est rendue, elle, à un coût de 118 millions, c'est-à-dire que le coût pour la ville est de 28 % du projet, alors que les partenaires, au moment où on se parle, dans l'hypothèse où il y a un club de hockey, paient 72 % de la facture de l'amphithéâtre. Le coût de construction aussi sera de 400 millions, comme nous l'avions dit depuis le début. Notre partenaire investira entre 30 et 40 millions supplémentaires pour assumer les coûts d'aménagement de ses locaux à usage exclusif, ainsi que pour la construction d'un studio de production et une régie de production à la fine pointe de la technologie. Ça veut dire, Monsieur le Président, beaucoup, et ce geste démontre à quel point Québécois croit au projet, et vous me permettez de remercier Pierre-Carl Pelladeau et son équipe pour la confiance qu'ils ont en la région, et je vous prédis des déplacements de production télévisuelle à Québec à partir du moment où l'amphithéâtre non seulement sera équipé pour divers assistantes ou différents spectacles, mais surtout équipé pour de la production télévisuelle. En ce qui concerne l'utilisation des locaux de Ludoplex, il faut convenir que cet espace sera utilisé de façon plus efficace que c'est le cas au moment où on se parle, car plusieurs mètres carrés sont actuellement sous-utilisés ou inutilisés depuis quelques années. Nos discussions avec le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, et la présidente du Conseil du Trésor, Mme Michèle Courchesne, sont à leur premier balbutiement. Nous avons convenu de part et d'autre de les poursuivre afin d'en arriver dans ce cas également à une formule gagnant-gagnant. Il n'y a pas péril en la demeure puisque nous disposons de 2 bonnes années pour convenir d'une solution socialement et financièrement acceptable. D'ici là, il s'écoulera beaucoup d'eau sous les ponts. Vous permettrez, M. le Président, de conclure en disant ceci: en politique, ce qui est important, c'est de livrer la marchandise. Molière disait que les babines suivent les bottines, ou que surtout les bottines suivent les babines. Je pense que je me suis trompé. Et je vais vous dire qu'il y a 30 mois, l'équipe Labeaume prenait l'engagement de faire tous les efforts pour construire un amphithéâtre multifonctionnel à Québec. Et ce matin, on ouvre une plénière sur le détail de la construction de cet amphithéâtre-là. Donc, on a livré la marchandise. 400 millions, c'est ce qu'on avait promis, et on respecte nos objectifs de construire un amphithéâtre multifonctionnel, flexible et à la fine pointe de la technologie. Et vous verrez, Monsieur le Président, dans la présentation, que la journée où on mettra la clé dans la porte de l'amphithéâtre de Québec, il sera sûrement en Amérique du Nord le plus moderne. Peut-être qu'il sera seulement pour un mois, mais il sera sûrement le plus moderne ce mois-là. Ce projet, on l'a voulu rassembleur, il permettra à la région de connaître, et je cite ici le Conference Board, connaître un boom économique majeur et profitable aux entrepreneurs de notre région, c'est important. Et la communauté régionale, et plus particulièrement le secteur de Limoilou, verront leur visage changer, je le crois, à tout jamais. Alors, je termine en vous disant, on l'avait promis il y a
30 mois, nous avons livré, nous l'avions dit, nous l'avons fait, comme quoi je pense sincèrement que tout est possible à Québec. Merci. Merci, M. le maire. Alors, j'ai M. Guilbeault qui a une question à poser. M. Guilbeault. Une question d'éclaircissement, s'il vous plaît. M. le maire vient de dire que la Ville n'investirait plus que 118 millions dans l'amphithéâtre et que le partenaire investirait la différence jusqu'à 400 millions. Est-ce qu'il pourrait nous décrire, à part la participation du gouvernement provincial, qui est 200 millions, quelle est, à part, évidemment, aussi, j'ai ma place, qui est supposément 19 millions, mais en fait, c'est 15 millions, quelle est la différence en surplus? Monsieur le maire. Bon, monsieur le président, là, c'est pas 15, c'est 19. Le président de la GMA Place est ici. Alors, on va s'entendre. Là. C'est assez simple. Dans le cas d'un club de hockey, c'est 63,5 millions hein, qui sont donnés pour les droits de nommer. 19 millions qui est ramassé par GMA Place qui vient dans l'amphithéâtre. 200 par le gouvernement. Ça fait 282-283. Il reste 117-118 pour la ville. Voilà. On peut commencer. J'ai pas compris la partie de Québec. Je recommence. Parce que mon voisin a parlé. Je recommence. Ah, on écoute bien. On écoute bien là. Je recommence. S'il y a un club de hockey, Québécois paye à la ville 63,5 millions de dollars pour avoir le double des clés. C'est bon? 63,5. Vous avez dit 15 millions, c'est faux. C'est rendu à 19 millions. Le président de Québécois est ici, vous dira qu'il est... Qu'est-ce que j'ai dit? Québécois. Oh, excusez-moi. Le président de J'ai ma place est ici, il vous dira qu'il est à près de 19 millions de ramassés, qui va dans le projet. Et le gouvernement paie 200 millions, ce qui fait à peu près 283 millions. Vous prenez 400, soustrayez ça, ça vous donne 117-118. Ça va? Ça va. Dernière chose. Pour le 15 millions, M. le maire, je dis 15 millions parce que 4 millions, je l'ai dans l'entente de gestion pour 3 ans. Oui, mais regardez là. Alors, il reste 15 millions. On... Bravo pour vous, mais ça va aller dans le projet. On commence-tu? Oui. Alors, à ce moment-ci, oui, M. Bussière. C'est par rapport à la présentation de M. le maire. Monsieur, il faut se rappeler que l'équipe Labeaume avait effectivement promis un amphithéâtre à 40 millions. Monsieur le maire, au dernier conseil, nous a parlé... À 400? Pour les contribuables de Québec, la participation était 10 % de 400, soit 40 millions. C'était l'engagement de l'équipe Labeaume. Au dernier conseil, nous a dit que si on a un club de hockey, ça va être 118 millions. Donc, 120 millions. Donc, c'est trois fois ce qui avait été présenté d'une part. Ce que je voulais tout simplement souligner, c'est que dans le montage financier qui nous avait été présenté aussi, on nous avait dit que J'ai ma place viendrait faire qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes et le projet pourrait même se financer. Mais la contribution de J'ai ma place a été quand même limitée à 13 millions. Et M. Maire avait dit que si ça dépassait le 20 millions, J'ai ma place allait mettre plus d'argent dans l'infrastructure comme telle. Est-ce que c'est toujours ce que vous nous annoncez ce matin? On s'en va vers une contribution additionnelle de J'ai ma place dans la subvention à l'infrastructure? Monsieur le maire? Je pense que c'est clair, c'est oui la réponse. Mais là, on a des gens qui nous attendent. On peut-tu arrêter de faire de la politique? Puis vraiment, écoutez, il y a du monde là, qui sont préparés. On veut tous comprendre comment ça marche. On peut-tu passer à l'action, là, au lieu de faire de la politique? C'est ça? Déjà commencé, monsieur le maire. Monsieur Bussière? Bien, effectivement, monsieur le maire, on entend chaque conseil. Puis on a 3 minutes pour lui poser des questions. Il posera les questions là. C'est vraiment pas l'objet, peut-être, de la rencontre de ce matin. Le financement a déjà été démontré que ça allait coûter plus cher. L'idée... C'est la présentation. J'en viens à la présentation de ce matin, Monsieur le Président. On nous dépose un document, mais on nous donne seulement la partie 3 et 4. Est-ce qu'il y a une partie 1 et 2 qui a été soustraite du document qui nous a été présenté, qui nous est déposé ce matin? Parce qu'on commence seulement avec la partie 3, puis après ça, il y a une partie 4. Est-ce que prétendre qu'une partie 1 et 2 qui a été soustraite du document soit peut-être présentée ultérieurement? Monsieur le maire. Première affaire, il n'y a pas de complot, là. Okay? Si on peut laisser ces gens-là commencer, peut-être qu'on va avoir toutes les explications. Moi, je suggère qu'on commence. Ça marche-tu? Ben, je voulais juste savoir s'il y avait d'autres parties qui ont été soustraites du document que vous nous présentez. Sinon, ça aurait été 1 et 2. Ben, juste savoir si le document est complet. Regardez, je vais donner une réponse. La réponse, c'est non. Alors, il ne manque pas de parties, c'est que c'est numéroté à partir de 3.
Bon, je pense qu'on pourrait se limiter à des réponses oui ou non, ça irait plus vite. Merci. Ça va. À ce moment-ci, je demanderai à M. Jacques Bédard, qui est ingénieur et directeur du projet à la Ville de Québec, de nous présenter les gens qui l'accompagnent, et ensuite M. François Moreau, architecte principal du projet et président de la firme ABCP, nous fera une présentation. M. Bédard. Bonjour tout le monde. Merci de nous donner l'occasion de vous présenter le projet ce matin et les coûts et le mécanisme de gestion que nous entendons déployer pour diriger ce projet-là. La première partie de la présentation traitera, dans un premier temps, du sommaire du projet, le bâtiment. Nous allons vous présenter le bâtiment, les stationnements, les locaux à être aménagés par d'autres et les équipements immobiliers spécialisés. Mes collègues qui participeront avec moi sont M. François Moreau, architecte principal du projet et également président de la firme ABCP. Mon collègue à gauche, Sylvain Daniel, bachelier en technologie, est responsable des équipements immobiliers spécialisés pour le compte de la Ville de Québec. Sans plus tarder, je vous résume les grandes données du projet. C'est un projet de 67 500 mètres carrés, dont plus ou moins 5 000 mètres sont incorporés dans le Ludoplex. La répartition des surfaces est la suivante. Pour les installations pour les spectateurs, on parle de 20 000 mètres carrés. Les installations pour les événements sont de l'ordre de 2 300 mètres carrés. Les installations pour les équipes sportives, 4 100 mètres carrés. Les espaces pour les médias, 1 800. Support aux opérations, 10 600. Administration, 1 900 et 8 700 mètres carrés pour les locaux de vente au détail et restauration. Et finalement, pour ce qui est de la circulation, on parle de 18 100 mètres carrés. J'inviterai dans les prochaines secondes, M. Moreau, à vous faire la présentation du bâtiment. La présentation va couvrir les items suivants. Nous allons vous parler de tout ce qui est expérience client. Nous allons vous présenter également le préliminaire du concept qui est en phase de préparation présentement. On va vous présenter le plan du site, le plan d'implantation, la coupe générale du bâtiment, les différents plans des niveaux, l'aspect multifonctionnalité, l'aspect géométrie variable de la salle, les différents schémas de circulation. Et finalement, nous allons traiter de l'utilisation du Ludoplex à titre de fonction et ses services intégrés. Donc, M. Moreau, si vous voulez bien, vous nous présenter votre document. Merci, M. Bédard. M. Moreau. Alors, bonjour. Merci de nous accueillir ce matin. On est très fiers de venir vous présenter le travail que l'on a fait jusqu'à présent dans le dossier. Pour commencer, pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner un petit peu l'impression ou le feeling que vous allez avoir comme expérience client dans le nouvel amphithéâtre, je vous invite à voir la présentation ci-après.
Alors voilà, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche pour ce nouveau projet à Québec. Alors sans plus tarder, je vais continuer la présentation avec les points que M. Bédard a mentionnés, c'est-à-dire les principaux éléments de l'étude conceptuelle ou les plans préliminaires du concept à ce jour. Il faut comprendre qu'un concept, c'est un exercice en développement. Tant que le concept n'est pas complété, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer, d'adaptation, d'ajustement. Le budget est maintenant équilibré avec le programme, alors au niveau des pièces, la surface des pièces, la surface de l'amphithéâtre, c'est vraiment réglé tout ça. Mais l'organisation des pièces, la fonctionnalité, tout ça, il reste encore des ajustements à faire. Alors d'entrée de jeu, ce que on veut vous présenter, c'est la localisation de l'amphithéâtre sur le site d'Exposité. Alors ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'ensemble du site d'Exposité avec le boulevard Laurentien dans l'axe nord-sud, le boulevard Wilfrid Hamel, l'avenue Soumande à l'arrière et l'avenue du Colisée. Donc sur le site d'Exposité, on retrouve, comme vous le savez bien, le centre de foire qui se localise près du boulevard Laurentien, l'ancien Colisée, pas l'ancien Colisée Pepsi, mais le Colisée Pepsi actuel, le pavillon du commerce, le pavillon de la jeunesse, le ludoplex actuel et le nouvel amphithéâtre. Le nouvel amphithéâtre qui, comme vous le savez, va être intégré avec en arrière de la façade de l'hippodrome actuel. À l'arrière de l'hippodrome, sur la piste de course actuelle, il va y avoir un espace de stationnement majeur, donc le but étant de dégager le plus de surface dans ce secteur-ci pour maximiser le nombre de stationnements. C'est ces orientations-là et devant l'amphithéâtre, on va retrouver une place publique. L'espace de stationnement actuel pourrait éventuellement être aménagé en place publique pour donner une façade intéressante à l'amphithéâtre. Si on agrandit un peu le plan d'implantation, la localisation dans l'espace du bâtiment. Alors, on a orienté le bâtiment pour maximiser, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'ouverture entre les deux futurs bâtiments ici pour avoir une bonne connexion entre la future place publique qui va être aménagée ici et cet espace à l'arrière-là. Donc, on a orienté le bâtiment pour avoir un minimum d'espace entre le Colisée actuel et le futur amphithéâtre. L'espace débarcadère et de manœuvre pour la zone débarcadère permet d'accueillir une vingtaine de camions semi-remorques, ce qui est requis pour des événements de type concert principalement et de cirque, pour permettre le montage et le démontage d'un amphithéâtre, d'un spectacle, d'un concert le plus rapidement possible. Alors cette zone débarcadère-là va avoir son propre accès sur la rue Soumande. Sinon, entre le Colisée Pepsi actuel et le futur amphithéâtre, on va retrouver une zone de stationnement VIP, donc une zone de stationnement réservée principalement à la clientèle des salons corporatifs de l'amphithéâtre. Dans cet axe-ci, donc, pour entrer dans le bâtiment, l'accès au bâtiment va se faire par un point central qui va être situé à l'arrière à l'intérieur finalement du volume de l'hippodrome actuel. Par trois entrées distinctes, c'est-à-dire une entrée de ce côté-ci, une entrée de la nouvelle aire de stationnement qui va être aménagée à l'arrière, l'entrée principale va se faire à partir de la place publique à l'avant, et une troisième entrée en latéral ici. L'ensemble de ces trois entrées convergent dans un espace commun, dans un immense hall dégagé, pour notamment contrôler les accès. Pour la sortie, donc ça c'est pour l'entrée dans l'amphithéâtre, pour la sortie de l'amphithéâtre, comme pour le Colisée actuel, comme vous le savez, il va y avoir des sorties, des cages d'escalier aux quatre coins, on va le voir un peu plus loin dans les plans, de l'amphithéâtre pour permettre l'évacuation ou le dégagement, la sortie des gens de l'amphithéâtre le plus rapidement possible. Également, un point à noter, sans étudier l'ensemble des circulations sur l'ensemble du site, mais ayant quand même un souci sur les accès des différentes clientèles piétonnes et provenant du transport en commun et tout. On a aménagé dans ce secteur-ci, une zone de débarquement pour les autobus neulisés. Alors, les gens vont descendre de leur autobus sur un trottoir sécurisé et accéder à l'amphithéâtre. Il va y avoir également, attenant à la place publique, une zone pour les taxis. Et le transport en commun va se situer plus le long du boulevard Hamel. Sinon, ça résume
résume l'ensemble des principaux éléments de ce plan-là. En coupe, pour bien comprendre, c'est une coupe schématique. Il faut comprendre que ce n'est pas la forme du bâtiment final, mais ça s'apparente à, ça va s'apparenter probablement beaucoup à ce type de forme-là. La coupe d'un bâtiment permet bien de comprendre l'organisation spatiale des espaces à l'intérieur du bâtiment. Donc, le niveau des événements et le niveau qu'on appelle niveau des événements, c'est le niveau de la glace. C'est un niveau privé, c'est un niveau sécurisé. Alors, le public n'a pas accès à ce niveau-là. Il y a accès par le niveau supérieur vers les gradins, dans la partie des gradins bas, mais sinon, c'est des espaces qui sont contrôlés. Et on y retrouve dans cet espace-là l'ensemble des services de l'immeuble. Donc, l'ensemble des vestiaires pour les joueurs de hockey notamment, les loges d'artistes, même la préparation de la nourriture. On va voir ces détails-là un petit peu plus tard. Dans un espace, en récupérant le volume sous les gradins, on retrouve au niveau mezzanine les espaces de mécanique du bâtiment. C'est un très gros volume, alors ça prend beaucoup d'espace de mécanique, demandant énormément d'énergie. Alors, c'est des locaux très, très vastes qu'on retrouve sous les gradins dans ce secteur-ci. À partir de la coursive principale, donc du corridor principal du bâtiment, cet espace-là ou ce volume-là devient public. Alors, le public a accès de façon libre à tous les niveaux à l'intérieur de ce volume-là. Naturellement, le niveau des salons corporatifs est contrôlé en fonction de la clientèle qui doit s'y rendre. Sinon, on retrouve la coursive principale ici, donc le niveau bas des gradins, et finalement le niveau haut des gradins dans cette section-ci. Au-dessus de la coursive principale, on a un niveau de loge, de salon corporatif. Alors, c'est un niveau complet qui fait l'ensemble de l'amphithéâtre. Et un second niveau, on a récupéré un volume sous les gradins haut, un volume supplémentaire pour aménager de part et d'autre de la glace des éléments marketing qui vont être uniques à Québec de suite corporative ou de suite pour organiser des parties familiaux ou et de l'autre côté, on va recevoir des corbeilles. On aménage des corbeilles comme on peut retrouver au Grand Théâtre ou dans des salles de spectacle, des corbeilles un peu plus privées de sièges, avec des sièges regroupés et un salon attenant. Au niveau de la coursive principale, toujours, donc la coursive, elle est ouverte sur 360 degrés. Alors, en tout point, dans le corridor principal ici en bas, on voit transversalement dans l'amphithéâtre. Donc, on voit complètement de l'autre côté. Et même si on est à une concession ici en train d'acheter un hot dog et qu'on entend du bruit, on se retourne la tête, on voit tout de suite le tableau indicateur, on voit l'écran géant, on voit ce qui s'est passé, puis on a l'animation de la foule. Donc, on reste, c'est ce qui est unique. Il n'y a pas d'amphithéâtre comme ça au Canada actuellement. On garde toujours un contact et une relation avec ce qui se passe à l'intérieur du bowl. Dans ce secteur-ci, c'est le club, c'est la zone club que vous avez vu un petit peu plus tôt avec des sièges dans une zone réservée. Alors, les détenteurs de sièges qui vont être dans ce secteur-là vont avoir leur club privé avec bar et services de restauration privés dans une zone propre à eux. Finalement, dernier étage, alors la coursive supérieure, au niveau supérieur du bâtiment, c'est une coursive qui est complètement ouverte. Alors, quand on est situé à cet endroit-ci, au niveau de la coursive, on voit bar en bar du bâtiment. Et le point haut du bâtiment permet de dégager des vues sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec. Alors, c'est comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, cet étage-là va être largement fenestré pour avoir une visibilité de la ville de Québec. Et principalement, sur un point chaud qui est le bar au devant du bâtiment que je vais vous expliquer plus tard. Dernier point, alors ce niveau-là également est desservi par une série de concessions sur l'ensemble de son périmètre. Donc, très autonome en termes des services qui vont être offerts. Dernier point, la galerie de presse. Alors, contrairement à ce que vous connaissez de la galerie de presse au Centre Bell ou au Colisée Pepsi, la galerie de presse n'est pas située dans la structure du bâtiment, mais bien en latéral, avec des gradins qui sont projetés vers la glace pour avoir vraiment l'ambiance totale et l'ensemble des services de régie vidéo, etc., exigés notamment par la ligne nationale, sont aménagés dans le point haut. Sans rentrer dans le détail au niveau des plans d'aménagement, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne. Alors, c'est le niveau des événements, c'est le plan de niveau des événements.
c'est la zone de débarcadère dont je vous expliquais tout à l'heure. Alors, pour vous relocaliser, le Colisée Pepsi est au point haut ici, où le stationnement VIP se situe dans le haut du plan. La façade de l'hippodrome, donc l'hippodrome se situe de ce côté-ci, le débarcadère de ce côté-là, et l'immense stationnement qui va être aménagé par-dessus la piste de course va se situer dans ce secteur-là. Alors, c'est un niveau qui est complètement enfoui sous le sol. Le niveau de la glace a été fixé à 9,8 mètres par rapport à un sol extérieur qui voisine les 14 mètres. Donc, le niveau de la glace, à partir de la zone de débarcadère, le niveau de la glace est atteignable directement par une voie de circulation dont les camions pourront rentrer, tout dépendant des événements, les camions pourront rentrer directement sur la glace, ce qui maximise la fonctionnalité du bâtiment et accroît la rapidité du montage et démontage d'un concert. Alors, dans cette zone-là, qu'on appelle la zone arrière-scène, on retrouve l'ensemble des fonctions pour les spectacles principalement. C'est-à-dire, on a les espaces naturellement pour la ressource faceuse, mais on a également l'ensemble des loges d'artistes qui sont aménagées dans ce secteur-ci. À l'arrière du bâtiment, ici, on retrouve l'ensemble des services plus fonctionnels du bâtiment, c'est-à-dire les cuisines centrales de production qui vont desservir l'ensemble des concessions de l'amphithéâtre. De l'autre côté, on retrouve le vestiaire principal d'une équipe de hockey que l'on souhaite de la Ligue nationale de hockey. Sinon, des vestiaires secondaires. Alors, il y a une série de vestiaires secondaires. Alors, ce sont tous des vestiaires secondaires qui pourront accueillir notamment les Pee-wee ou lors d'événements de hockey qui nécessitent plusieurs équipes. Les bunker suites, excusez pour l'expression anglaise, on n'a pas trouvé encore d'expression juste et raisonnable pour les appeler. C'est ces suites-là qui vont être locatives, encore une fois, pour organiser soit des parties familiaux ou des parties corporatives. Où est-ce qu'il va avoir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est largement fenestré, des fenêtres qui s'ouvrent également, parce que les gens qui sont dans ce secteur-là vont pouvoir avoir un contact direct avec les joueurs de hockey qui sortent de leur banc et qui s'en vont dans leur vestiaire de part et d'autre. Alors, on a un bunker suite pour l'équipe de visiteurs et un bunker suite pour l'équipe locale. Le niveau mezzanine, donc tout, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un espace sous-gradin. Alors, tout ce qui se retrouve dans l'enceinte de l'amphithéâtre, c'est des espaces mécaniques, principalement mécaniques. Sinon, c'est sensiblement le même niveau que le sol actuel devant l'hippodrome. Alors, comme on veut vraiment adapter et arriver de plein pied pour la mobilité, etc., les personnes handicapées, un accès direct à l'hippodrome, alors on a aménagé une zone de mezzanine avec un immense hall où est-ce qu'il va y avoir des jeux interactifs pour les enfants, etc. Alors, c'est vraiment une zone d'accueil et d'accueil également avant événement. Alors, une famille qui veut se rendre à l'amphithéâtre va pouvoir se rendre plus tôt, beaucoup plus tôt. Il y a des concessions dans cette zone-là, comme je vous mentionnais, des jeux interactifs. La billetterie se trouve là. Et les gens vont pouvoir se regrouper dans cet espace-ci avant de rentrer dans l'amphithéâtre. Alors, ça devient comme un espace public extérieur, intérieur. Couvert, les extérieurs vont être couverts avec des marquises avant de rentrer dans cet espace-là. On y retrouve une boutique éventuellement de la Ligue nationale ou une boutique de sport qui vont vendre des éléments promotionnels, concessions, restauration, billetterie et services, autres services. Comme vous l'avez vu tout à l'heure au début du vidéo, le vidéo débute lorsque la personne arrive au point haut des escaliers. Alors, dès l'ouverture de l'amphithéâtre, de façon officielle, alors qu'il va être fixé en fonction de l'événement, les portes s'ouvrent. C'est pas des portes qui s'ouvrent, c'est vraiment les escaliers qui s'ouvrent, les escaliers roulants, les ascenseurs vont ouvrir. Alors, toute la population va monter de ce côté-ci, arrive à un point haut et en arrivant au point haut, comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, a une vue directe sur le bowl, donc dans un espace complètement dégagé. Alors, on arrive de part et d'autre et on se dessert à l'intérieur de la partie basse des gradins sur le corridor principal, la coursive principale. Alors, à partir de tous les points ici, on a toujours une vue, en marchant sur le corridor, on a toujours une vue sur l'ensemble de l'amphithéâtre. Et une particularité, sur tout le pourtour de ces gradins-là, en partie basse, se retrouvent des tabourets. C'est encore des sièges qui sont sur des tabourets où est-ce qu'on a un
contact. On n'est pas assis dans un siège officiel, on n'est pas dans la coursive, on se situe entre les deux, on a une vision de part et d'autre. Alors, ça accentue encore le sentiment d'avoir une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, cette coursive-là, elle est distribuée de toutes les fonctions qu'on peut retrouver, des boutiques, des concessions de restauration, de bars. Et donc, c'est de façon symétrique tout le tour du bâtiment, avec les sanitaires, naturellement, selon chaque cadran. Chaque point de vente a été calculé en fonction des sièges qui se retrouvent dans chaque cadran. Les sanitaires, c'est la même chose. Et finalement, cet espace-là, compte tenu qu'il est ouvert sur le corridor, avant un événement ou pendant un spectacle, il y a un système de rideaux d'obscurité qui vient faire le noir total sur l'ensemble du périmètre des gradins supérieurs ici. Ce système de rideaux-là se retrouve également au niveau supérieur, vous allez le voir tout à l'heure. Et finalement, la zone club. Alors, vous voyez cette zone-ci avec la zone de siège qui se retrouve dans la zone club, ici, en contrebas. Les caméras de télévision pour le suivi du hockey, notamment, se retrouvent dans ce secteur-là aussi. Alors, la zone club, c'est une zone de bar, de concession, de restaurant, qui est exclusive aux gens qui se retrouvent dans cette zone-ci. Finalement, plus à l'avant du bâtiment, il y a un espace de jeu interactif pour les enfants qui va être aménagé dans ce secteur-ci. Et sinon, à partir de la coursive principale, du corridor principal, on connecte exactement au même niveau que le deuxième plancher, pas le deuxième, je dirais plutôt le troisième plancher du Ludoplex, qui actuellement est un restaurant non utilisé dans le Ludoplex. Alors, on réactive la fonction restauration du restaurant dans le Ludoplex. On vient le prolonger du côté de l'amphithéâtre parce que la surface n'était pas suffisante pour avoir une bonne interaction entre la coursive principale, le corridor principal de l'amphithéâtre et ce futur restaurant sportif. Alors, ça va être un restaurant sportif qui va être aménagé dans ce secteur-là. Le niveau des suites corporatives ou des salons corporatifs. Alors, c'est un niveau... les salons corporatifs vont faire l'ensemble du périmètre du bowl. Donc, il y a une série de salons corporatifs qui se retrouvent sur le périmètre ici. Le corridor, à certains endroits, est dégagé. Alors, ce que vous voyez, la ligne au périmètre ici est la ligne de mur extérieur du bâtiment. Tous les carrés blancs que vous voyez ici, ce sont des ouvertures sur le niveau en contrebas. Donc, quand on circule dans le corridor ici, on voit en bas ce qui se passe dans la coursive principale. Alors, beaucoup d'interactions entre le haut et le bas sur l'ensemble de l'amphithéâtre. Sinon, on a une série de services encore pas de restauration à cet étage-ci parce que la restauration se fait dans les salons. Sinon, on a les services sanitaires et on a des services également exécutifs de salles de conférence, un petit centre de conférence ici, bureau exécutif et salle de conférence pour les détenteurs de salons corporatifs qui voudraient faire un événement de conférence avant un événement en soirée. Au même niveau, on retrouve le restaurant gastronomique. Alors, un second restaurant d'envergure, une capacité de 500 places, restaurant gastronomique qui va être situé à ce niveau-là. Le restaurant gastronomique va être accessible par l'ensemble de la clientèle de l'amphithéâtre. Au niveau du Ludoplex, le Ludoplex est conservé dans son intégralité. On maximise, en fonction du programme qu'on avait pour l'amphithéâtre, on maximise l'usage du Ludoplex avec les fonctions existantes. Alors, si je commence par le dernier niveau, qui est le niveau 2, qui correspond au niveau de l'étage de la coursive principale, que je vous ai parlé tout à l'heure du bar sportif ou du restaurant sportif. Alors, l'ensemble de l'espace vert ici est existant. C'est un restaurant actuellement avec ses cuisines de production. Alors, on récupère l'ensemble de ces espaces-là pour faire un restaurant sportif et avec son extension qui va être du côté de l'amphithéâtre. Au niveau intermédiaire du Ludoplex, c'est des bureaux actuellement. Ils sont récupérés en bureaux. Et au niveau inférieur du Ludoplex, on a un volume ici. L'ensemble de ce volume-là est très haut. C'est l'équivalent de 3 étages de hauteur. C'était souhaité comme ça dans la conception initiale du Ludoplex. Alors, on conserve exactement ce volume-là et ça devient le studio de production. Alors, le studio de production nécessitait beaucoup de hauteur.
Alors, au lieu de pénaliser des espaces dans l'amphithéâtre puis de couper des planchers pour donner cette hauteur-là, on vient faire l'espace de studio. C'est pas fenestré actuellement sur l'extérieur. Alors, on a l'ensemble des conditions gagnantes pour arriver à une production adéquate. Sinon, l'ensemble de cet espace-ci va être aménagé en espace bureau. Une particularité, à partir du restaurant sportif, actuellement, sur ce mur-ci, on va pouvoir avoir une vue en contrebas sur ce qui va se passer dans le studio de production. Autre point, à un niveau intermédiaire entre le niveau des salons corporatifs et le niveau de la coursive principale, on vient récupérer des volumes qui sont existants sous les gradins pour venir aménager de part et d'autre de la glace des produits de, je dirais, marketing ou des produits corporatifs, où est-ce qu'on a d'un côté une série de salons qui vont être aménagés pour des familles, pour des compagnies qui voudraient organiser un party à l'intérieur de l'amphithéâtre. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo. Ça va se faire de ce côté-ci. Et sinon, de l'autre côté, on a un produit un petit peu unique à Québec qui va être composé de corbeilles, aménagées un peu dans l'esprit de ce qu'on retrouve au Capitole ou au Grand Théâtre. Donc, des corbeilles privatisées de quelques sièges aménagés à même le bowl, donc à même les gradins dans cette section-ci, avec un espace club qui va leur être réservé à l'arrière. La coursive principale, non pas la moindre, c'est un des éléments chauds du projet pour l'avoir vécu dans des projets qui ont été configurés de cette façon-là, d'avoir au dernier niveau une transparence. On se sent pas du tout sous la structure, on a une transparence d'un bar à l'autre de l'amphithéâtre, alors on peut voir d'un côté à l'autre. C'est le même principe que la coursive principale ou le corridor principal au niveau bas, où est-ce qu'on retrouve des services, des concessions, donc l'ensemble des services sur le périmètre du bâtiment. Et sinon, tous les espaces qui sont dégagés où est-ce qu'il n'y a pas de service, ces espaces-là vont être largement fenestrés sur l'extérieur. Les quatre volumes rouges que vous retrouvez aux quatre coins du bâtiment, c'est des noyaux de service, donc où est-ce qu'on retrouve ascenseur, escalier, dans chacun des cadrans. Donc, pour les personnes handicapées à mobilité réduite ou encore le public en général va pouvoir utiliser ces escaliers-là pour sortir rapidement de l'amphithéâtre et se diriger le plus rapidement possible dans les zones de stationnement ou le transport en commun. À l'avant du bâtiment, on retrouve toujours le côté de l'hippodrome de ce côté-ci. À l'avant du bâtiment, un peu comme on a vu en finale du vidéo tout à l'heure, il y a un espace-bar qui est comme suspendu dans l'espace avec des ouvertures de part et d'autre, où est-ce qu'on va pouvoir voir en plongée jusque dans le hall principal. Un espace-bar qui dégage une vue extraordinaire sur la ville de Québec, parce qu'à ce niveau-là, on dégage tous les bâtiments avoisinants et on s'assure d'une vue là, lointaine sur la ville. Le dernier étage, la galerie de la presse, donc un accès très limité, très réservé. Par contre, il va y avoir une certaine zone au niveau de la galerie de la presse. Alors, la presse écrite, il y a 150 places de place pour la presse écrite qui vont être aménagées ici en contrebas. Et sinon, c'est l'ensemble des services exigés par la Ligue nationale de hockey pour télédiffuser des matchs de la Ligue nationale. Et studios de production, de contrôle vidéo, etc. Mon collègue Sylvain Daniel va vous montrer un petit peu plus tard toutes ces composantes-là. Sinon, il va y avoir dans certains événements, certains spectacles ou concerts, une certaine partie de cet espace-là qui va être ouvert au public également. L'amphithéâtre multifonctionnel de Québec se voulait très multifonctionnel. Alors, on a pris ça à cœur. Alors, il y a deux approches qui permettent à l'amphithéâtre de Québec d'être très multifonctionnel. La première, c'est de pouvoir subdiviser l'espace et de toujours avoir un espace qui est convivial, d'acoustique exceptionnelle, peu importe la dimension de la salle ou du spectacle qu'on voudrait y produire. Alors, différentes configurations de salles qui permettent donc une configuration de salle de grande envergure avec une scène centrale où des sièges sont aménagés sur l'espace glace. On pourrait avoir une capacité jusqu'à 19 600 personnes. Sinon, de grande envergure, mais avec une scène latérale, donc une scène en extrémité, toujours du côté du débarcadère, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. À ce moment-là, on vient fermer avec des rideaux l'ensemble du pourtour de la scène et les côtés ici des gradins. Donc, on ne voit plus ce qui se passe derrière.
Cette capacité-là, on parle de 12 500 à 15 450 places. Encore là, dans un système avec des ponts roulants, parce que les rideaux sont sur des ponts roulants, alors on peut vraiment ajuster de façon très précise l'emplacement du rideau pour venir subdiviser la salle. On pourrait atteindre dans une configuration comme celle-ci 9 500 à 12 600 sièges. Sinon, une configuration théâtre de 4 400 à 9 500 places. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le 4400 et le 9500 places? C'est de dire, est-ce qu'on ouvre la partie supérieure des gradins ou pas? Parce que encore là, il y a un système de rideaux qui vient fermer l'ensemble de la partie haute des gradins. Alors, on perd complètement ces sièges-là, on ne les voit plus. Alors, on garde toujours une ambiance vraiment d'être concentré sur le spectacle. Et finalement, la configuration hémicycle, la plus petite configuration qu'on peut obtenir, c'est une capacité de 2200 sièges à 4400 places. Autre point important qui donne la flexibilité également de l'amphithéâtre pour la tenue de toutes sortes d'événements qui nécessitent notamment d'avoir un espace horizontal beaucoup plus important que l'espace de la glace. Ce qu'on aménage, c'est des gradins rétractables, donc des gradins qui viennent se dissimuler dans les niches sous l'espace des gradins. De part et d'autre de la glace, on a 6 rangées de sièges qui sont rétractables. À l'extrémité de la glace, 10 rangées de sièges. Et à l'autre extrémité, 14 rangées de sièges qui permettent l'implantation d'une scène et maximiser ainsi le nombre de sièges lorsque la scène est installée en extrémité au lieu d'être une scène centrale. On sait que la majorité des spectacles qui sont donnés dans les amphithéâtres sont donnés avec une scène en extrémité. Alors, pour maximiser toujours le nombre de sièges, la capacité de l'amphithéâtre lors d'un spectacle, c'est très rentable de venir faire le maximum de rangées possibles rétractables du côté scène. Rapidement, au niveau des circulations pour accéder au bâtiment, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure par rapport au public en général. Ce qu'on démontre ici, c'est les accès, je dirais, plus contrôlés d'accès, puisqu'il y a tout un aspect sécurité. Il y a un aspect sécurité, il y a l'aspect également caractère spécial d'une clientèle VIP qui doit avoir des accès particuliers. Alors, je vous résume ça. C'est le niveau mezzanine, donc c'est le niveau d'accès principal de la population en général. Alors, le public en général rentre par 3 endroits différents qui desservent des zones de stationnement massives dans un hall principal. Et à partir de ce hall-là, vont monter des escaliers roulants ou encore des noyaux d'ascenseur pour accéder à la coursive principale ou les niveaux supérieurs. Sinon, il va y avoir un accès VIP ici pour la clientèle des salons corporatifs dont le stationnement se trouve dans ce secteur-ci. Un accès privé ici, sécurisé pour les joueurs de hockey du vestiaire principal. Sinon, des accès employés ici en rouge de part et d'autre avec des salles d'employés qui se retrouvent soit au niveau événementiel ou au niveau mezzanine en fonction du type d'employé. Et un accès média ici à l'arrière du bâtiment qui donne accès immédiatement à un ascenseur, à un pré-salon, un ascenseur qui nous mène directement à la galerie de la presse. Niveau inférieur, maintenant niveau événementiel. Un lien souterrain qui va être aménagé parce que les 2 bâtiments au niveau du sol vont être dégagés pour permettre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un accès entre la place publique qui va être aménagée devant l'hippodrome et l'immense stationnement qui va être derrière. Donc, au niveau piéton, au niveau du sol, ça va être ouvert ici entre les 2 bâtiments. Alors, on vient faire un lien souterrain entre le Ludoplex et le niveau événementiel de l'amphithéâtre. Sinon, un espace sécurisé ici d'accès de producteurs, d'artistes, avec l'ensemble des loges d'artistes, donc un accès directement à la glace à partir de la zone de débarcadère. Et sinon, le cheminement des joueurs de hockey du vestiaire principal, donc un accès à partir de la mezzanine ici, ils descendent un escalier là ou un ascenseur et ils arrivent directement dans leur vestiaire et par la suite du vestiaire vers le banc des joueurs ici. Sinon, l'équipe adverse a 2 choix, soit de passer par le périmètre complet pour accéder à leur vestiaire, ou sinon, s'il y a un contrôle des circulations, de passer directement par ce côté-ci. Voilà, ça résume l'ensemble de la présentation. Merci. Merci, M. Moreau et M. le maire. Ce que François Moreau vient de nous expliquer
Le choix que nous avons fait, on parle d'expérience client, puis je trouve que c'est le bon terme à utiliser. Bon, expérience sensorielle, ça fait un peu plus... c'est différent. Peut-être François nous parlait de la pente, une fois que j'aurai terminé, parce que c'est important. Oui. Je vais te laisser là-dessus, puis je peux revenir, parce qu'on a mis beaucoup de soins sur le choix des pentes, parce que c'est ça qui fait ou non l'atmosphère. Et le genre de spectateurs de Québec, ce ne sont pas des gens qui assistent à une partie de hockey, par exemple, mais qui participent au match. Alors, entre les gens de Québec ou, je ne sais pas, moi, les gens d'Anaheim, je pense qu'il y a une différence et on a tout pensé à un aspect psychologique. Vas-y, François. Ça va. Merci. Excusez-moi. Alors, pour parler de ce point-là, je vous ai ramené à la coupe du bâtiment. Et pour vous expliquer un petit peu la démarche aussi de conception d'un bâtiment comme celui-là, la conception d'un bâtiment d'amphithéâtre, ça commence par le bowl. Alors, ce qu'on appelle le bowl, c'est vraiment tout l'espace qu'on retrouve, l'espace central avec la glace et l'ensemble des gradins. Alors, le point de départ d'un concept d'amphithéâtre, ça passe par là. Et naturellement, ça vient toucher à toute la question de la pente des gradins. La pente des gradins, elle est conçue de façon que l'on puisse avoir toujours une vue sur la glace dans un point focal qui se situe à 4 pieds de distance par rapport à la bande, qu'on voit la POC là, finalement à 4 pieds de la bande sur une hauteur de 3 pieds de hauteur. Alors chaque personne qui est assise dans les sièges ici dans la partie basse n'est pas obligée de se pencher sur son banc en avant. Peut rester appuyé sur son dossier et voir toujours l'action qui se passe directement en face d'eux. C'est ce qui vient dicter la pente et l'inclinaison des sièges qui sont situés en partie basse des gradins. Et la partie basse des gradins, ce n'est pas une droite, c'est une parabolique. Donc, c'est vraiment une courbe. Elle est peu sensible dans cette coupe-ci. Si on l'agrandissait, on la sentirait peut-être un peu plus, là. Mais c'est une fine parabolique. Le Colisée Pepsi, ici, a été conçu comme ça également. Alors, c'est maintenant dans les nouveaux amphithéâtres, on conçoit tous les nouveaux amphithéâtres comme ça. Le Colisée Pepsi était précurseur à l'époque d'avoir cette approche-là. Il est fait en droite, en segment de droite, le Colisée Pepsi. Nous, maintenant, on peut, avec les nouvelles technologies, arriver avec une courbe pour maximiser encore le point focal. Alors, la pente des gradins ici, ce qu'on a fixé, on sait que la clientèle de Québec est une clientèle de hockey, majoritairement de hockey, et même pour les spectacles, plus on est incliné, plus on est dans l'action. Alors, la pente qu'on retrouve là est sensiblement la pente qu'on retrouve au Centre Bell de Montréal pour la partie basse des gradins. Elle est beaucoup plus pentue que la pente du Console Energy Center, qui était la pente référence ou le projet référence pour concevoir la base du concept du projet. Donc, en termes de degrés, au Console Energy Center, on est à 22 degrés en partie basse des gradins ici. Actuellement, le concept du projet a été dessiné avec une pente de 25 degrés pour la partie basse des gradins. Pour continuer, M. le Président, il y a deux éléments de choix qu'on a fait là-dedans. Je ne sais pas si les gens ont bien compris ce que veut dire ce que sont des coursives. Les coursives, ce sont les corridors. Si vous allez au Colisée Pepsi, il y a des murs, une paroi extérieure dans le corridor et une paroi intérieure. Donc, vous ne pouvez pas voir la glace. Vous ne pouvez pas voir les gradins d'en face. Dans notre proposition, aux deux étages, c'est-à-dire aux deux grands corridors, il n'y a aucun mur. C'est-à-dire que vous vous approchez, vous voyez la patinoire. De loin, vous voyez de l'autre côté, il y a même des sièges assis sur tabouret. Ça donne une impression de dégagement incroyable. C'est exactement le modèle de Pittsburgh, n'est-ce pas, François? Oui, tout à fait. Et ça, c'est un choix qu'on fait. À 18 000 sièges, on peut se permettre ça. C'est sûr que vous donnez un exemple, le Centre Bell, c'est 21 000 sièges, ça coûte cher le mètre carré. Ils ont choisi plus de sièges puis moins de corridors. Mais nous, à 18 000 sièges, on peut se permettre ça, surtout avec l'arrivée de plus de plex, ce qui fait qu'on a besoin de moins de mètres carrés. Au niveau de l'expérience, c'est totalement différent. Avant que la question vienne quant à la façade, j'aimerais l'expliquer dès maintenant. La façade, nous avons encore un choix à faire avec M. Bédard, François, les autres, le comité exécutif, puis on fera une proposition éventuellement. Le choix à faire, c'est
tout le monde, nous préférons conserver la façade de l'hydroplex. L'hippodrome. Voilà. Et sauf que la réalité, c'est que cette façade-là ne résistera pas aux travaux de compactage. D'ailleurs, il y a eu une secousse sismique des dernières années, puis il y a des briques qui sont tombées. Bon. Alors, il faut démonter la façade et la reconstruire, si on veut la conserver. Maintenant, le choix qu'on a à faire, est-ce qu'on la rebâtit à l'identique, c'est-à-dire exactement comme elle est là, et on ajuste le hall à cette entrée-là, ou on la rebâtit de façon plus artistique, si je peux me permettre l'expression, ou plus créative. On a François Moreau nous a aussi fourni d'autres modèles où nous ne conservons pas la façade. Alors nous, on a à faire des choix. Je vous dirais que l'idée de conserver la façade a beaucoup plu aux gens de Québec. Il y a comme une référence là, il y a comme l'histoire auquel visiblement ils tiennent. Alors ça, c'était pour ce côté-là. Et pour ce qui est de la multifonctionnalité, peut-être que François pourrait élaborer ou Sylvain Daniel pourrait le faire. Seulement, l'organisation des fameux rideaux, c'est majeur. Encore là, moi, je pense qu'on est encore plus moderne que ce qui existe à Pittsburgh. Ça veut dire que vous pouvez viser une rangée de sièges n'importe où dans l'amphithéâtre et faire atterrir les rideaux sur cette rangée-là. À la limite, vous pouvez ajuster vos rideaux à la vente de billets. C'est-à-dire que si vous pensez de vendre, par exemple, un spectacle, 14 000 billets, vous en avez vendu 12 500, alors au lieu de descendre les rideaux, regardez, donner 14 000, vous ajustez à la vente de billets et vous descendez à peu près à 12 500. Alors ça, c'est important parce qu'au niveau de l'expérience client, c'est fondamental. J'arrête là, je voulais juste faire ces quelques observations-là. Je compléterai peut-être la question de la pente des gradins, parce que je sais que pour le niveau haut, pour la pente des gradins du niveau haut, la pente des gradins du niveau haut est à 38 degrés dans le projet que l'on vous propose, et je dirais même 39 degrés, soit l'équivalent du Centre Bell à Montréal, en termes de référence. C'est moins incliné qu'on retrouve que la pente des gradins qu'on retrouve actuellement dans le Colisée Pepsi, mais c'est le maximum que les codes nous permettent actuellement de faire. Alors, la pente du Colisée Pepsi actuellement est à 41 degrés. Pour ceux qui le fréquentent, ils savent que c'est très, très pentu. Alors, c'est un bel hybride et ça permet d'avoir une belle participation dans l'activité qui se passe. Merci, M. Moreau. J'ai M. Bussière. Donc, dans un premier temps, je suis très heureux qu'on a répondu à ma requête d'avoir ce comité plénier et on me souhaite la bienvenue, M. Bédard, avec votre équipe. C'était attendu, je veux dire, la présentation de ce matin. Je pense que c'est une première rencontre et non pas une dernière, parce qu'on voit qu'on va y aller par phase. Donc, on a seulement une étape à nous expliquer ce matin. On est tout écoute. La première étape que vous avez présentée, c'est Moreau, c'est la question architecturale. Et sur ce point, je voudrais juste revenir au plan d'ensemble que vous avez à la page 5 présentée. Lorsqu'on nous a présenté le projet d'amphithéâtre, c'est un projet d'ensemble, un ensemble. Fait qu'à ce moment-là, il y avait les entrées, il y avait finalement les stationnements qui étaient nouveaux. Et là, on voit un projet d'ensemble où on vous plaçait l'amphithéâtre, notamment le choix a été fait pour remplacer sur le terrain de l'hippodrome. Maintenant, moi, je regarde ça, je regarde les accès techniques qui rentrent du côté de la rue Soumans. Est-ce que, dans un concept, là, vous nous présentez un concept, pourquoi pas utiliser la voie de train qui passe en arrière? Est-ce qu'un train de banlieue, il n'y aura pas pu avoir un débarcadère en termes de transport collectif, en termes de concept, en termes de mobilité durable? Est-ce que c'est pas une entrée qui aurait pu fonctionner? Puis là, on n'a pas le projet du tramway qui devrait passer normalement sur Wilfrid Hamel. Donc, dans le concept, moi, je pensais que vous alliez nous présenter un nouveau concept global avec toutes les voies de transport. Et là, c'est sûr qu'on se concentre sur l'amphithéâtre. C'est sûr que la simulation que nous avons vue ce matin, c'est intéressant. Il y a le club de hockey, mais les joueurs ne sont pas encore sur la glace. Mais votre animation est intéressante.
Mais il va y avoir des spectacles. Votre animation ne montre pas qu'il va y avoir des spectacles. Puis, naturellement, ma première question était là. Il y a une grande zone de stationnement autour. On réutilise le ludoplex. Mais ma première question, vous donnez le temps de répondre aussi. Pourquoi vous ne nous présentez pas un plan d'ensemble plutôt que se concentrer uniquement sur deux bâtiments? Monsieur Moreau? Monsieur le maire, vous voulez intervenir là-dessus? Je pense que M. Moreau a une question. M. Bussière, voulez-vous, là, on va prendre le temps d'écouter les gens. On a toute la journée. On a même ce soir. Le maire va intervenir tout le temps. Regardez, c'est comme vous, il a droit de parole, M. le maire. M. le maire. C'est parce que c'est pas dans le mandat. Ça ne regarde pas ces gens-là. C'est pas dans leur mandat. C'est simple. Ils ont à construire un amphithéâtre, organiser des stationnements. C'est tout. C'est pas dans le mandat. Le plan du tramway, on le connaît tous, là. Il passe sur le boulevard Hamel. C'est à quelques pas de l'amphithéâtre. Ce n'est pas dans le mandat. C'est assez simple, ma sœur. Des choses à rajouter, M. Moreau, là-dessus? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que non. Effectivement, c'est pas dans notre mandat. Je vous cacherai pas, par contre, qu'on a certains échanges avec les gens qui travaillent actuellement sur le dossier pour bien arrimer tout ça, pour rassurer. Mais vraiment, les limites de notre mandat, c'est vraiment le secteur qui fait le périmètre. C'est vraiment ce que je suis en train de dessiner ici. C'est vraiment le secteur qui est le pourtour de l'amphithéâtre. C'est uniquement ça. Monsieur Picard. Il y a une équipe à la ville constituée de gens de l'arrondissement. Aménagement du territoire, division du transport, Expo-Cité, également RTC qui analyse toute la question de faciliter les accès au site. Alors oui, ça se fait, mais pas à l'intérieur du mandat des professionnels maîtres. Monsieur Bussière. Je reviens à l'architecture. Monsieur le maire, déjà une réponse par rapport à la façade. Je veux vous dire, c'est... Mon arrière-grand-père maternel, Honorius Lebon, architecte, avec Georges-Émile Tanguay, qui ont fait la façade de l'hippodrome. Fait que c'est sûr que j'étais à la commission d'urbanisme et de conservation, et c'est un élément de conservation qu'on souhaitait. Déjà, j'ai fait vite parce qu'on vient juste de recevoir ça, on parle de 10 millions pour la façade. 10 millions pour la façade. Et à ce moment-là, je me demande, le maire dit, il faut tout démolir pour construire parce que ça va, le terrain est instable. Comment peut-il, je pose la question à un architecte ou aux ingénieurs, peut-on conserver l'immeuble-là tout en faisant les travaux que vous nous proposez pour la façade? Allons-y pour la façade, puis j'ai une autre question après. Et qui va répondre, M. Bédard? Ingénieur, M. Bédard, allez-y. Si vous me permettez, pour ce qui est des coûts de reconstruction de la façade ou des budgets qui sont attribués à la façade, c'est un montant de 3 millions qui est indiqué à la rubrique des coûts. Et c'est le budget qui a été réservé pour la façade. M. Bussière. Donc, 3 millions à reconstruire, je pense qu'il faudra mettre des imprévus. Je vais vous dire, on n'a pas les plaintes de vie pour ça parce que je suis toujours familial, mais mon père était dessinateur estimateur, puis il a montré à Hervé Pomerleau qu'on va faire de l'estimation. Ça prend des plaintes de vie avant d'avoir une estimation précise. Donc, ma question aussi, on compare toujours l'amphithéâtre que vous préparez avec Pittsburgh. Mais à Pittsburgh, dans des tableaux plus loin, on fait la comparaison entre les deux sur le 400 millions. Sauf que Pittsburgh, est-ce que c'est un amphithéâtre multifonctionnel? Parce qu'il y a, effectivement, on nous présente juste un aréna pour du hockey. Là. Indépendamment de ça, le gouvernement voulait que ça soit multifonctionnel pour des spectacles. Et là, on a vu le volet spectacle avec les rideaux qui vont se déployer, etc., des scènes dans votre projet. Mais les coûts afférents à la dimension spectacle, c'est des coûts additionnels par rapport à faire un amphithéâtre, je dirais, fonctionnel pour le hockey. Là, il y a des coûts additionnels parce qu'il est multifonctionnel. Est-ce que vous êtes capable de nous faire, un estimé des coûts additionnels de fait d'avoir multifonctionnel? Monsieur Moreau, pour répondre adéquatement à votre question, on n'est pas. Les besoins d'un amphithéâtre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va prendre la question dès le départ pour que vous me suiviez correctement. Là. Le bowl que l'on dessine quand on conçoit le bâtiment définit la grandeur du bâtiment, approximativement. OK, avec les coursives qu'on doit avoir au
dernier niveau, là, le dégagement des coursives qu'on doit avoir au dernier niveau, ça ici, ça vient dicter la surface du bâtiment. Lorsqu'on dessine un bowl avec une capacité de 18 000 sièges et qu'on définit les circulations minimales au dernier niveau, on vient définir l'empreinte au sol du bâtiment. Donc, ça vient déterminer une surface minimale. L'exercice qu'on a fait ici en rationalisation pour ce projet-là, on est vraiment venu faire une forme qui vient rationaliser. Il n'y a rien de plus rationnel que ça en termes de forme pour dicter cette surface-là. Lorsqu'on vient dicter cette surface-là, ça dégage quand même un certain nombre de surfaces au niveau du event level, là, le niveau des événements, qui permet l'aménagement d'espace requis à la fois pour la fonction hockey et la fonction spectacle. Et chacun des locaux qui sert pour le hockey, par exemple, un vestiaire de hockey, on en a vu plusieurs, devient des salles de maquillage pour un spectacle, des salles de rangement pour des costumes pendant un spectacle. Alors, il y a une versatilité, ils peuvent être subdivisés, il y a une versatilité de chacun de ces locaux-là pour faire les deux fonctions. Quand vous mentionnez Pittsburgh est un amphithéâtre multifonctionnel, oui, très flexible, sensiblement les mêmes paramètres qu'on retrouve à Québec. Des éléments qu'on amène de plus, c'est au niveau technologique, et ça, je vais laisser Sylvain Daniel vous l'expliquer un petit peu plus tard, avec la présentation qu'il va vous faire. Et c'est également au niveau scénique, scénographique, la question des rideaux. Parce que Pittsburgh, c'est des points fixes où est-ce qu'on peut mettre des rideaux. Ici, on a opté pour donner un peu plus d'argent dans le projet, arriver avec des ponts roulants qui nous permettent de positionner ces rideaux-là à des endroits précis. Et M. Labeaume mentionnait tout à l'heure que les rideaux pouvaient, quand un spectacle, le nombre de sièges était le nombre de sièges prévus versus le nombre de billets vendus, on n'atteignait pas l'objectif puis on réduisait la dimension de la salle. Oui, ça c'est une façon de voir les choses. J'aime plus voir ça de l'autre sens, de dire ben le projet il était prévu pour 4000 spectateurs puis finalement ils vendent 8000 billets. Bon, on est capable très aisément d'agrandir l'amphithéâtre puis d'accueillir le même spectacle et de continuer à vendre des billets. Alors, pour un producteur, cette versatilité-là, c'est un gros, gros, gros plus, là. Parce qu'au lieu de présenter deux soirs ou faire des supplémentaires, il peut tout simplement adapter sa scène. Et ça, c'est tout encore une expression anglaise, des teasers pour des producteurs qui vont aider à la... M. Picard, vous voulez intervenir là-dessus? Bien rapidement, toute la notion des coûts va être présentée par M. Bédard tout à l'heure. Et la question, justement, des éléments scéniques, de son, etc., va être dans la prochaine présentation de M. Daniel. Oui, M. Bussière. Il reste encore un petit peu de temps. Dans la présentation, vous avez aussi, on a l'image ici, esquissé la structure pour le toit. On a eu un grand débat à savoir ce qui est un bâtiment en bois ou un bâtiment en acier. Est-ce que c'est une structure d'acier, bois, un mélange des deux? Je comprends bien que c'est juste une esquisse. Hein? Donc, c'est pas des plans de vie. Les décisions sont pas encore prises. On est vraiment dans les préliminaires, là. On est dans la première étape. C'est pour ça qu'on aura peut-être à se rencontrer ultérieurement d'autres plénis pour poursuivre le dossier parce que c'est juste un avant-goût un matin. Mais la structure qui est là, est-ce que vous, comme architecte, vous recommandez le bois, l'acier, un mix des deux? C'est quoi votre position? Oui, il y en sera question tout à l'heure dans la présentation, monsieur le président. Oui. Avoir l'avis de l'architecte quand même. Écoutez, moi, j'ai pas de préférence à savoir si ça doit être en bois ou en acier. Dans la démarche initiée par la Ville de Québec, c'est que les deux produits vont pouvoir être implantés dans l'amphithéâtre. Le profil que vous voyez là est pas très loin du profil final qui semble émerger des discussions actuelles des concepteurs en structure. Alors, on l'a illustré comme ça. Comme je vous dis, c'est pas le produit final, mais on s'en va vraiment dans cette direction-là. Et cette structure-là peut être construite tant en bois qu'en acier, qu'en système hybride acier-bois. Monsieur le maire. Il y a une des réponses les plus simples à cette question-là, c'est qu'il va y avoir des appels d'offres. Alors, si les gens soumissionnent avec des structures en bois, qui respectent les prix, les délais, on verra. Alors ça existe, c'est des règles de la ville. D'autre part, moi, je vais être très honnête avec vous, on aimerait tous voir un édifice de cette ampleur-là en bois, là, mais il y a ce qu'on appelle les coûts. Bon, on dit souvent, le bois ne coûte pas plus cher. Pas toujours sûr dans le cas d'un amphithéâtre, là. Je peux vous dire que je me souviens lorsqu'on a visité Pittsburgh et on a rencontré le directeur de l'aréna, on était rendu dans le plafond.
puis nous expliquer la capacité portante du plafond et des structures en fonction des, par exemple, d'équipements de son scénique, tout ça. Quand je lui ai dit qu'on regardait pour peut-être utiliser du bois, je pense qu'il est tombé à terre, je suis obligé de ramasser. Et il s'imaginait pas que ça se pouvait. Peut-être qu'il manque de connaissances. Alors moi, je vous dirais ceci, ça va dépendre des appels d'offres, mais il n'y a pas un objectif de faire de l'amphithéâtre de Québec une vitrine pour le bois québécois. Alors, on va bien s'entendre, là. On aimerait tout ça, ça nous ferait bien plaisir pour tous les producteurs de bois du Québec, là, mais ce n'est pas un objectif. Je veux que ce soit très, très clair. Alors, j'ai M. Guilbeault. Bonjour, M. Moreau. Bonjour. J'ai bien compris, effectivement, que c'était vraiment un stage très préliminaire, c'est un concept. M. Bussière l'a rappelé, puis vous l'avez dit. On n'est pas au stage de la maquette, mais un peu plus. Donc, les plans, d'après ce que je comprends, peuvent changer. Et les plans finaux, évidemment, ne sont pas commencés, d'après ce que je peux voir. Alors, je vais m'en tenir à l'esquisse de la page 3. Vous avez souligné que les camions devaient passer directement de l'extérieur à la patinoire. Et moi, je vois dans la maquette là, 3 que le sol existant serait à 13,5 mètres d'élévation par rapport à la patinoire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vois correctement dans le coin? Là, moi, j'ai 13 points. Oui, tout à fait. C'est 40 pieds au-dessus de la patinoire. Ça varie entre 13,5 et 14 mètres. Alors, est-ce qu'il y a une descente? Oui. Est-ce que. La 13,5 mètres, c'est au-delà de 40 pieds. Pas tout à fait, non. 13,5 mètres, c'est le sol existant. Oui. La dalle est à 9,8 mètres. Le niveau des événements est à 9,8 mètres. Ah, alors, okay. C'est 13,5 mètres moins 9,8 mètres. Ce okay. qui nous donne, si je calcule bien, 3,7 mètres de hauteur. Donc. Alors, la patinoire est à 9,8 mètres. 9,8 mètres. De quoi? C'est un niveau géodésique. Donc, c'est un niveau en référence au sol existant qui est à 13,5 mètres. Qui varie entre 13,5 et 14 mètres. Ça dépend de où on se situe autour de l'amphithéâtre. Alors, c'est vraiment la variation. 9,8 mètres, on est à 14 mètres, on descend tout ça à 9,8 mètres. Alors, 13 pieds de dénivellation. À peu près 13 pieds de dénivellation. Et pour expliquer, je vous reviens sur ce dessin-là, le plan d'implantation en page 2. Alors, la section qui se trouve entre la rue Soumont, à côté d'un centre, une station, une sous-station électrique qui est préservée, qui est existante et préservée, cet espace-là, c'est une pente finalement. C'est une zone, une zone en pente qui nous permet d'arriver à même plus bas que ça, à 1,2 mètres plus bas que le niveau des événements. Et de ce côté-ci, on a une rampe à partir du point le plus bas qui nous permet de remonter à 9,8 mètres, soit le niveau exact des événements. Alors, ce qui nous permet un accès direct sur la glace. Alors, l'arrière va être plus bas que l'avant. L'arrière, je comprends dans ce bien. Secteur-ci, l'arrière va être plus bas que l'avant. Effectivement. Okay. C'était la première question. L'autre, vous avez laissé entendre que le duplex serait conservé dans son intégralité. Oui. Quand vous parlez de le conserver intégralement, quelles peuvent être à peu près les modifications, parce qu'il va y avoir quand même quelques changements. Là, extérieurement, je comprends que c'est intégral, mais intérieurement, là, est-ce que... Il va y avoir des frais considérables pour, le convertir oui, en studio, etc. Excusez-moi. Cet espace-ci, au niveau du duplex, au niveau inférieur, le niveau du rez-de-chaussée, est un espace complètement dégagé. C'est l'aire de jeu actuellement. Je ne sais pas si vous êtes allé. Hein. C'est vraiment une aire complètement dégagée où est-ce qu'on retrouve toutes sortes. Il y a un bar central dans ce secteur-ci, puis il y a des équipements de jeu sur tout le périmètre. C'est sûr que lorsqu'on vient aménager des bureaux ou encore un studio de production dans cet espace-là, on vient aménager complètement l'espace. On vient enlever tout ce qu'il y a là. Il n'y a pas grand-chose, c'est une aire ouverte avec un plancher surélevé à la grandeur du plancher. On vient reconstruire des espaces. On vient reconstruire un studio. Un studio, c'est très dispendieux construire un studio et c'est très particulier. Alors, il y a ce studio-là qui va être construit et dans cet espace-là, des bureaux, donc des bureaux aménagés. Actuellement, ce n'est pas dans notre mandat parce que c'est exclu. C'est à l'opérateur de faire ces aménagements-là. Alors, on n'a pas figuré d'aménagement, à savoir si le nombre de bureaux fermés qui vont être aménagés dans cette zone-là ou pas.
Nous, pour l'instant, c'est un aire dégagé, puis qui va être aménagé de cette façon-là. C'est une proposition. Donc, c'est une rénovation, finalement. Mais cette bâtisse-là coûtait 33 millions. Le maire l'a estimé en valeur de 15 millions maintenant. De dépréciation, bien sûr. Reconstruction, ce ne sera pas le cas. Mais y a-t-il quelque chose qui justifie qu'on passe de 33 millions en valeur de construction en 2006 à 15 millions actuellement ou en 2014 pour ce duplex-là? Écoutez, moi, comme firme, on avait travaillé sur les aménagements intérieurs, juste le volet aménagement intérieur de ce projet. Le budget était très imposant. Alors, il faut distinguer l'enveloppe du bâtiment et le coût des aménagements. Et dans un bâtiment, sans avoir fait l'exercice, à savoir si c'est 15 millions, 17 millions ou 14,3 millions, je pourrais vous dire que 33 millions, je ne sais pas de quoi il était composé non plus. Il faudrait que j'aille le détail de probablement que c'était le coût global du projet. Tel qu'il est là maintenant. Mais tel qu'il est là maintenant, c'est sûr que... C'est pas vraiment nos atouts, c'est ça. Monsieur le maire, c'est pertinent, monsieur le maire. Je veux juste dire, là, regardez, le coût après amortissement de cette bâtisse-là, ça ne regarde pas nos spécialistes. Là. Nous autres, le calcul qu'on fait ensemble, c'est la valeur d'opportunité. Ce que ça nous coûte de moins, parce qu'on utilise le Ludoplex. C'est la seule valeur intéressante pour nous. Le reste, c'est les discussions qu'on va avoir avec le ministère des Finances. Ça ne regarde pas M. Moreau, là. Lui, là, la valeur que va donner le ministère des Finances à ça, c'est le dernier de ses soucis, ça ne le regarde pas, ni M. Bédard. Ce qui regarde M. Moreau et M. Bédard, ce qui les intéresse, eux, c'est que l'utilisation de 5000 m², ça veut dire que ça coûte ça de moins à construire dans l'amphithéâtre. C'est tous ces éléments-là qu'ils arrivent à 400. Alors, plus tard, M. Bédard vous va dire, nous autres, le fait d'utiliser le Ludoplex, voici l'économie totale sur l'ensemble du projet. C'est ça la donnée qui nous intéresse. Monsieur le Président, j'ai une question de règlement ou un point de vue. Quelle est votre question, madame? Parce que je pense que ce matin, ces gens-là qu'on a l'occasion de voir pour la première fois sont-ils pour répondre à nos questions? Si monsieur le maire intervient à chaque fois, je pense que c'est personnel. Madame Guérin, voulez-vous d'abord vous adresser à moi comme le règlement dit? D'accord. Je pense que ces gens-là sont capables de répondre. Puis s'ils ne peuvent pas répondre parce que c'est en dehors de leur mandat, je pense qu'ils sont capables de nous le dire. Bon, madame Guérin, je comprends votre frustration, là. Mais Monsieur le maire, comme premier magistrat de la ville, a des informations. Et Monsieur le maire a le droit de parole comme n'importe qui ici. Alors, si quelqu'un a un complément, comme Monsieur Picard en a eu tout à l'heure, je me dois de les laisser parler. Il n'y a rien dans le règlement là qui nous dit que dans un comité plénier, il y a seulement les gens invités qui doivent parler. Alors, j'ai dit tantôt, on va vous donner tout le temps qu'il faut, jusqu'à 8 heures ce soir, 10 heures s'il le faut. Mais à un moment donné, là, je peux pas empêcher des gens de parler puis d'en laisser d'autres parler, moi. Alors, mon rôle ici, là, c'est que ça soit équitable pour tout le monde en donnant des droits de parole à tous les gens d'une façon juste. Alors, M. Guilbeault, vous n'aviez pas terminé. Non, j'ai pas terminé. Merci, M. le Président. Moi, j'en avais à l'évaluation subjective actuelle du Ludoplex que le maire a attribué au Ludoplex de 15 millions. Alors, je voulais savoir, effectivement, vu qu'il est conservé intégralement, si sa valeur de reconstruction étant évidemment autour de 45 millions en 2014-2015, pourquoi qu'on lui attribuait une valeur de 15 millions? Ma question était strictement sur cet aspect-là pour voir pourquoi M. le maire finalement avait dit que ça valait 15 millions. Alors, je voulais savoir de la part d'un expert, effectivement, s'il y avait des modifications si importantes que ça dépréciait la bâtisse en conséquence. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Donc, M. le maire a droit à son évaluation subjective, mais moi, je pense que c'est erroné, cette évaluation-là. Par ailleurs, s'il y avait un choix pour le bois par rapport à l'acier ou à un autre matériau, je présume que le bois est plus susceptible de passer au feu, de brûler, qu'une bâtisse qui ne l'est pas. Au niveau des assurances, ça pourrait peut-être avoir un impact. Et je pose la question pour vous. Est-ce que moi, c'est juste une question. Est-ce que effectivement, il y aurait plus de danger si on construisait l'édifice en partie au moins en bois? Autrement qu'en acier et d'autres vêtements, s'il y a plus de danger
qu'il puisse passer au feu. Parce que dans l'entente signée avec Québécois, si l'amphithéâtre devait passer au feu, on est obligé de le reconstruire. Alors, évidemment, les coûts d'assurance sont en conséquence s'il n'y a plus un plus grand danger. Et vous êtes peut-être certainement à même de me dire si c'est plus dangereux qu'il passe au feu s'il est en bois que votre main. Monsieur Moreau, puis je reviens à Monsieur Richard Côté qui a un complément d'information pour une question aussi. Monsieur Moreau. Alors, premièrement, je ne suis pas spécialiste en assurance, alors je ne répondrai pas à cette question-là, à savoir si c'est plus coûteux ou pas. Par contre, pour la question du bois, à savoir si au niveau des codes où le danger d'inflammabilité est plus élevé en bois ou en acier, la réponse c'est qu'il n'y a pas plus de danger en bois qu'en acier. Lorsque l'approche du bois peut être amenée dans un dossier, il faut donner l'assurance que ça a au minimum la même résistance que l'acier en termes de résistance au feu. Alors, c'est la seule réponse que je peux vous dire. On est vraiment contrôlé par le Conseil canadien de recherche et la régie du bâtiment par rapport à ça. Ça va, M. Côté? Je vais juste rectifier quelque chose, M. le Président, sur le fameux 33 millions lorsqu'on parle du ludoplex. Il faut se rappeler historiquement que quand le gouvernement a voulu instaurer le duplex sur le site d'Exposité, il y a eu une négociation qui faisait en sorte que les employés d'Exposité étaient dans ce bâtiment-là. Donc, la négociation fait en sorte qu'on a construit des locaux ou un bâtiment administratif qui est en face du centre de foire. Et dans ce 33 millions-là, il faut inclure les travaux des locaux administratifs qui ont été faits. Donc, c'est pas juste le duplex. Il faut ajuster. Dans le fond, c'est comme deux bâtiments qui représente l'investissement du gouvernement de 33 millions. Merci, M. Côté. Et plus les machines à sous. Merci. Alors, j'ai maintenant Mme Gilbert. Est-ce que je peux... Je vais revenir, Monsieur. Je vais revenir. On a dépassé les 10 minutes. Là, on est à 11 minutes et demie. Je vous reviens. J'ai pris ça en note. Mme Gilbert. Oui, M. Moreau. Regardez, peut-être que cette question-là va être répondue plus tard. Vous me le direz. Je la pose. Et vous me direz si c'est abordé plus tard. On reviendra. C'est au sujet de vos coursiers, des coursiers qui sont tout le long, tout le tour de l'amphithéâtre. C'est très, très intéressant au niveau du hockey, mais ce que je me demande, c'est, mettons, lors d'un spectacle et éventuellement, mettons un opéra, là, pour aller, un opéra de Verdi, oui. Est-ce que ces coursives-là peuvent pas nuire au niveau de la sonorité? Et si oui ou sinon, mais si oui, est-ce que les fameux rideaux qui sont prévus pour diminuer les salles et tout, est-ce que c'est prévu pour fermer les coursives aussi? Alors oui, comme j'ai insisté tout à l'heure sur la transformabilité de l'amphithéâtre, du bowl comme tel avec les rideaux pour venir scinder ou diminuer la surface, puisque j'ai peut-être échappé ou pas assez insisté, c'est que pour l'ensemble du périmètre, puis là je vous le dessine au plan, là, l'ensemble vraiment du périmètre à la limite du dernier banc ici, il y a un rideau sur l'ensemble du périmètre, tant au niveau supérieur qu'au niveau inférieur de l'amphithéâtre, qui vient se fermer pour faire le noir total dans l'enceinte. Et ces rideaux-là, en acoustique, ces rideaux-là contribuent énormément à la qualité sonore de l'amphithéâtre, parce qu'on vient rajouter, il y a assez de surface de réverbération, je ne vais pas vous faire un cours sur l'acoustique ici, là, mais il y a assez de surface de réverbération dans l'amphithéâtre pour dire qu'il faut contrôler, avoir des surfaces un peu plus assourdissantes, et le fait d'avoir ces rideaux-là au périmètre, ça aide énormément. Alors, lors d'un spectacle, au lieu du hockey, ou même le hockey en début de match, si on veut faire un noir total, ce qui se fait dans les amphithéâtres où est-ce qu'ils ont ce type de coursive-là, ils ferment les opérateurs qui contrôlent les billets dans le haut de chacune des rangées, comme on retrouve dans tous les amphithéâtres, ferment les rideaux, ça devient le noir total, et là, on a comme un spectacle, une ambiance de spectacle avant le début d'un match, qui vient créer toute une ambiance extraordinaire dans l'amphithéâtre. Et par la suite, pour le hockey, ils ouvrent les rideaux. Mais pour un spectacle, les rideaux demeurent fermés. Ah ben merci beaucoup, ça me rassure. Moi qui risque, qui ne va pas souvent au hockey. Merci, Mme Gilbert. J'ai Mme Guérette. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir tout de suite sur la façade. Je pense que c'est un sujet intéressant. Effectivement, je pense que moi, j'ai bien accueilli aussi l'idée d'intégrer la façade. Je pense que les gens de Québec aussi ont eu une bonne réaction. Maintenant, c'est sûr que quand j'entends dire qu'il faut la démolir pour la reconstruire, puis que là, on va peut-être la reconstruire avec un aspect artistique, bon, c'est sûr que moi, je me dis, on la conserve ou on la démolit. À un moment donné, là, bon. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez écarté
c'est... Je voudrais que vous m'expliquiez plus, avec plus d'arguments. Là, on dit que ça ne pourrait pas résister au compactage. Je pense que si on fait le soutènement nécessaire, on est capable, mais peut-être que les coûts sont prohibitifs. Est-ce qu'on ne peut pas construire la fondation? Bon, si on regarde sur le plan, cette façade-là est comme devant là, le grand A, là, puis la place publique. Donc, ça serait encore plus beau. Je trouve que c'est très pertinent. Le façadiste, parfois, ça a sa place, comme dans la question de Robert Lepage, par exemple. C'est un autre beau cas. D'autres fois, ça ne marche pas. Mais ici, je trouve que c'est... Je suis d'accord avec cette idée-là. Expliquez-moi, ou même peut-être nous fournir des chiffres. Vous avez certainement fait l'étude comparative, combien ça coûte la conserver, la tenir en place pendant le creusage, peut-être reculer les fondations du bâtiment derrière pour y revenir en porte-à-faux par la suite, ou encore la démolir, la reconstruire. Moi, je veux bien comprendre ce que j'arrive pas à... je trouve ça vraiment dommage, là, puis j'arrive pas à croire qu'on va faire quelque chose d'intéressant si on démolit puis on reconstruit. On est aussi bien, comme je vous dis depuis le début, moi, dans mon esprit, on conserve ou on démolit. Fait que, s'il vous plaît, pour moi puis pour l'ensemble des citoyens, parce que je suis ici pour poser des questions qui vont peut-être aussi éclairer les citoyens qui ont la même question, on aimerait bien comprendre exactement votre démarche, puis si vous en êtes arrivé à une solution définitive, ou si vous êtes encore en train d'évaluer aussi les possibilités de la conserver en place. Monsieur Moreau. Oui, Monsieur le Président. Alors, oui, je vais répondre à cette question-là, qui est une question d'une personne très avisée en la matière. Je le reconnais et je respecte ça. Alors, oui, initialement, dans l'esprit de conserver la façade, on a fait les études exhaustives à savoir si on pouvait conserver la façade existante. Donc, on a expertisé les murs, le système de construction de cette façade-là, et on est arrivé à la conclusion, au bout du compte, à la conclusion que vous connaissez aujourd'hui, qui est de dire il faut la démolir et la reconstruire. Les étapes du cheminement de notre démarche pour arriver à cette conclusion-là. La première, c'est que la façade qui a été construite en face de l'hippodrome, en avant de l'hippodrome, on comprend maintenant que c'est une façade qui est fermée sur des espaces fermés à l'intérieur. Mais cette façade-là, lorsqu'elle a été construite au début du siècle dernier, elle a été construite pour venir dissimuler des gradins, comme un stade municipal de baseball. Alors, c'était vraiment une façade qui était apposée contre des gradins. Il y avait des espaces qui étaient fermés en partie basse du bâtiment, mais le haut du bâtiment était ouvert. Alors, c'était des ouvertures, au lieu d'avoir des fenêtres, c'était des ouvertures sur le derrière des gradins. Cette façade-là, compte tenu que c'était pour une infrastructure comme le centre municipal de baseball, c'était une infrastructure uniquement de façade pour venir dissimuler le derrière des gradins. La composition, il n'y a aucun élément d'isolation. À l'époque, ce n'était pas très populaire de toute façon parce que c'était des murs pleins en maçonnerie et c'était de la maçonnerie de remplissage à l'arrière de la maçonnerie avant. Alors, il n'y a aucun élément d'isolation à l'intérieur du bâtiment. De plus, la structure, elle est composée d'une... Je ne suis pas spécialiste en structure, mais je vais vous expliquer ce que j'en connais. Alors, c'est une structure d'acier avec le béton, donc il y a un renforcement avec les gradins de béton qui vient supporter ce mur de briques-là. Lors du séisme de 89, il y a une bonne partie de la façade qui s'est écroulée sur la devanture entre les deux colonnes, les deux éléments principaux, qui laissaient savoir, qui démontraient qu'il n'y a pas de solidarisation de l'ensemble du mur. Alors, le mur, il est très vulnérable à toute vibration. Et le mur peut fissurer en totalité partout dans la façade sous la moindre vibration, ce qui est arrivé en 89. Et il y a beaucoup de portions de briques qui sont descendues. Alors, cet élément-là, associé au fait aussi que la reconstruire ou la façade que l'on connaît actuellement de l'hippodrome n'est pas la façade de l'époque. Parce que suite à l'accident de 89, au séisme de 89, il y a eu des travaux correctifs qui ont été apportés à la façade pour redissimuler, qui étaient en maçonnerie anciennement, qui ont été recouverts, les éléments d'acier qui ont été rajoutés, ça a été recouvert de panneaux d'aluminium, etc. Donc, on a déjà changé l'aspect historique de cette façade-là en 90, lorsque ça a été refait. De plus, par les années par après, il y a eu des cages d'escalier qui ont été rajoutées en acier à l'avant du bâtiment. Alors ça aussi, ça faisait partie de la réflexion de dire, est-ce qu'on est capable d'éliminer tout ça dans le processus de récupération de la façade? Est-ce qu'on est capable d'éliminer ces artifices-là qui ont été rajoutés? La réponse, c'était oui. Sauf que, avec les contraintes qu'on a de site et les travaux qu'on vient faire à proximité du bâtiment, ça fait en sorte que les vibrations vont être tellement élevées que le mur va fissurer à grandeur.
Et c'est vraiment un panier de crabes parce qu'on ne sait pas jusqu'où que ça va fissurer. Oui, il y avait des techniques. On évaluait la question de soutenir le mur temporairement avec des pieux de part et d'autre, etc. On a toutes fait ces analyses-là. Le coût était exorbitant. Et même si on prenait toutes ces précautions-là, on ne savait pas jusqu'à quel point le mur pouvait être récupéré par après. Et comme c'est uniquement un mur de maçonnerie, et que les éléments architecturaux de ce mur de maçonnerie-là, toujours dans l'esprit que c'était une façade devant une estrade, les murs, les encorbellements de pierre ou les pourtours de pierre qu'on pense être de la pierre, c'est tous des éléments de béton préfabriqués. Alors, encore une fois, il y a deux discours à savoir, bon, est-ce qu'on reconstruit à l'identique, etc. Puis je ne veux pas embarquer sur ce terrain glissant-là, là. Mais il y aurait un certain avantage à reconstruire. Il faut la démolir, la façade. On en arrive à la conclusion qu'économiquement, réalistement, il faut la démolir, la façade. Et même maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on la reconstruit à l'identique? Si on la reconstruit à l'identique, c'est à quelle période de son histoire on la reconstruit? Est-ce qu'on la nobilise? Est-ce qu'on rajoute des éléments de pierre dans la maçonnerie de briques? C'est tout un débat. Alors, c'est comme M. Labeaume le mentionnait tout à l'heure. C'est ce qu'on est en train d'évaluer, d'étudier, avec toutes sortes d'avenues. Ça va, Mme Guérin? Merci, ça répond bien à ma question, mais j'en ai d'autres, M. le Président, par exemple. Allez-y, il vous reste encore 3 minutes. Bon, M. Moreau, je vous demanderai d'être plus rapide. Non, merci, vous m'avez bien répondu. Une question rapide. Bon, quand on regarde sur le site de la Ville, on voit qu'il y a 70 millions de dollars en honoraires. À peu près, je pense que c'est 17,5 %. À moins que vous me direz, cette question-là n'est pas pertinente pour vous, peut-être plus pour M. Bédard, mais en tout cas, 70 millions en honoraires, ça veut dire que dans le fond, ce que vous avez pour construire le bâtiment, c'est pas 400 millions, mais c'est 330 millions. Monsieur le Président, oui, c'est ça. Plus tard, M. Bédard va expliquer en fin détail l'ensemble du budget de construction. Parfait, merci. J'ai encore une question. Je vais y aller avec le bois. Je voudrais vous demander si vous êtes au courant, bon, en lisant la revue Forme au mois de novembre dernier, il y a le Conseil de l'industrie forestière du Québec qui annonçait qu'il était heureux de l'annonce du projet de loi numéro 490. Loi sur l'utilisation accrue du bois dans la construction. Ce projet prévoit qu'à compter du 1er janvier 2012, tout bâtiment neuf, autre que résidentiel, à être construit au Québec, devra contenir un minimum de 5 % de matériaux faits de bois certifiés transformés au Québec. Première question, est-ce que, parce que dans cette revue-là, c'était un projet de loi, est-ce que cette loi a été passée? Est-ce que vous êtes, puis est-ce que vous allez, donc est-ce qu'elle est votée, cette loi, ou elle n'a pas été votée finalement? Monsieur Moreau. Oui, écoutez, je n'ai pas les détails à savoir si la loi a été passée. J'étais conscient que ce projet de loi-là était sur la table. Je ne sais pas si elle est passée actuellement. Donc, vous ne savez pas encore si vous allez devoir utiliser du bois ou pas. Parce qu'après ça, on dit plus important encore, l'article 3 du projet de loi suggère qu'à compter du 1er janvier 2012, encore une fois, tout bâtiment neuf d'une entité de l'État construit au Québec, bien ça, l'État, c'est peut-être juste les gouvernements. En tout cas, là, on va jusqu'à 25 % de matériaux faits de bois certifiés transformés au Québec. Fait qu'en tout cas, ce sera à suivre les réponses sur ces questions-là, parce que je pense que si la loi l'oblige, il va falloir en tenir compte. Autre question. Tantôt, vous avez parlé des mètres carrés. Je voudrais juste bien comprendre aussi. Monsieur le maire, au dernier conseil municipal, nous a expliqué qu'on allait sauver 17 millions de dollars parce qu'on passait de 70 000 mètres carrés à 64 000 mètres carrés. On avait dit, mais ce matin, en page 4 du document, on voit qu'on parle de 67 580 mètres carrés. Quand on regarde les documents qu'on a reçus hier soir, on nous parle, comme vous, de 67 580 mètres carrés, mais avec une variation d'au plus 10 %. Donc, on peut aller à plus 5 % de 67. C'est quoi, là, précisément, les mètres carrés? OK. Encore une fois, la question est très pertinente. La surface globale de l'amphithéâtre est gelée. Ce qu'on mentionne dans le programme et le document que vous avez reçu, lorsqu'on fait des plans en architecture, oui, on a un livre de recettes qui s'appelle un programme fonctionnel et technique qui nous décrit les surfaces de chacune des pièces. Mais lorsqu'on vient faire l'assemblage de ces pièces-là dans un puzzle, on n'est pas toujours capable de respecter intégralement les surfaces requises qui étaient spécifiées dans le document. Alors, on se donne toujours une souplesse de varier la surface de chacun des locaux de plus ou moins 10 % pour s'assurer qu'on aille, mais toujours dans le respect de la surface globale qui a été énoncée.
Monsieur le maire, un complément là-dessus? La loi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une mesure qui a été annoncée au dernier budget, c'est-à-dire il y a 3 semaines à peu près. Et maintenant, elle a été annoncée. Quand sera-t-elle votée? Quand un projet de loi sera voté, on ne le sait pas. Alors, on en est rendu là, nous autres, et on va s'ajuster, évidemment. On va commencer par savoir quelle est la nature du projet de loi, quand il sera voté, puis est-ce qu'on doit se soumettre à ça. Alors, là-dessus, là, comme ça date de 3 semaines, on peut, je ne sais pas si on pensera d'autres choses. Alors, je vous reviendrai, Mme Guérette, si vous avez d'autres questions. Je vais suivre la liste. J'ai Mme Lortie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je dois d'abord dire que la présentation qu'on a ce matin, c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je suis une fille de gestion d'événements dans une première vie et vraiment, je pense que j'ai le goût de faire des événements à cet endroit-là. C'est magnifique. Comment? Oui. Mais ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est la fixation du bâtiment. Alors, autant au niveau des sièges rétractables là, ou éjectables, mais c'est intéressant pour agrandir le plateau de base, là, en fait, la patinoire. Et l'autre point que je trouve extrêmement intéressant, c'est les rideaux que vous nous avez expliqué tout à l'heure, avec le côté insonorisation de ces rideaux-là. Et aussi tout cet espace vitré là que vous nous avez expliqué, l'espace où on voit vraiment de l'autre côté de l'amphithéâtre. Alors, des points extrêmement positifs. Ma question serait sur les salons corporatifs. Je vois que vous avez des salons corporatifs, vous en avez 156. Vous avez les salons Party 44, les loges type Corbeil 64, c'est plus, là, hein, c'est... Oui, alors, Monsieur le Président... C'est pas des loges qui sont flexibles et qui... Non, c'est plus. C'est des nombres de sièges, je tiens à le préciser parce que vous m'avez fait une petite peur. Ce n'est pas le nombre de salons corporatifs qui est prévu dans l'amphithéâtre. C'est le nombre de sièges. De sièges. Nombre de sièges de... Parce que c'est écrit salon corporatif. Oui, là, ouais. Salon corporatif, mais c'est oui, vraiment... Oui, mais le titre est siège. C'est ça. C'est vraiment des nombres de sièges. Alors, le nombre final de salon corporatif n'est pas encore établi. D'accord. Aujourd'hui. OK. Mais est-ce que, juste pour compléter ma question, est-ce que les salons corporatifs ont accès aux sièges dans les gradins ou pas du tout, ils restent dans les salons corporatifs? Parce qu'on a déjà vu ça quelque part, où on sort du salon corporatif et on va s'asseoir en avant, là, mais... Oui, tout à fait. Il y a différents types de produits. Il y a énormément de types de produits dans l'amphithéâtre, de types de produits corporatifs ou marketing. Le salon, je dirais la zone club qu'on retrouve ici, c'est comme un immense salon corporatif. Si vous me suivez à l'écran, c'est à la coursive principale, donc au niveau principal. Il y a une série de sièges où est-ce que les gens qui ont accès à ce salon corporatifs-là, la zone club, vont aller dans leur siège. Alors, ça, c'est un type. Sinon, les salons corporatifs qu'on retrouve dans la boucle du niveau des salons comme tel, les gens, c'est comme l'ensemble des amphithéâtres que vous avez pu aller, soit au Colisée Pepsi ou au Centre Bell, ils sont suspendus, les gens ont une zone de salon comme tel, et les sièges sont à même le bowl. Okay. Je vais vous les montrer dans la coupe. Alors, les gens qui sont dans les salons se retrouvent ici et leurs sièges se retrouvent à l'avant, là, ici. Ah, OK. D'accord. Ça va, Mme Lortie? Monsieur le maire, en complément? Merci. Juste préciser, et là, je veux saluer M. Bellard et François Moreau. Si vous avez remarqué, il y a un étage et quart de salon ou de corbeille ou d'endroit privé. Et ça, ça a été une étape très importante du projet parce que être capable d'aller chercher un étage et quart de ce genre de loge-là avec un amphithéâtre de cette grandeur-là, c'était beaucoup de travail. C'est pas évident le voyant, là, mais moi, je peux vous dire qu'on a passé une étape d'un gros 2 semaines où on se disait, évidemment, on a le gestionnaire qui veut le maximum de loges, puis quand le gestionnaire veut le maximum de loges, la ville aussi veut un maximum de loges parce que c'est payant, hein? Alors, je veux louer nos gens ici un étage et quart de loge dans un amphithéâtre de cette grandeur-là
avec 64 000 mètres carrés, ça tient un petit peu de l'exploit. Alors, c'est peut-être seulement des ingénieurs et des architectes peuvent apprécier ça, mais je peux vous dire que ça fait, ça a été une étape importante, n'est-ce pas, François, dans tout notre cheminement. Oui, effectivement. Monsieur Légaré, là-dessus? Sur le dossier du maire et de Mme Lortie. Tout d'abord, merci d'être là, merci d'être avec nous. Je voulais juste revenir sur l'expérience client que le maire parlait ce matin. Ce que j'aime, moi aussi, c'est évidemment, il y a plusieurs expériences que tu peux vivre dans cet amphithéâtre-là, même à l'extérieur avec l'espace public. Tu sais, tu commences, tu arrives sur les lieux avec l'espace public. Moi, je trouve ça assez génial. Tu peux être assis, tu peux être dans un salon, tu peux être dans un bunker. J'avais une question sur l'espace club. Vous y avez répondu. Par contre, les bunkers qui sont en bas, avec la vitre où on va pouvoir apercevoir les joueurs, est-ce que c'est un espace où tu vas pouvoir passer la majorité de ton temps là ou tu as des sièges attribués après? Non, c'est un espace parce qu'on a des sièges attribués dans le bowl comme tel. Alors, c'est le même principe qu'un salon corporatif, mais c'est un espace qui va être en location à la soirée. Okay? Il n'est pas dédié à un propriétaire d'une entreprise quelconque. Alors, chaque entreprise pourra avoir accès à ça. Et les gens qui ont un espace dans ces bunkers suites-là ont des sièges aussi dans l'amphithéâtre, dans le bowl, en partie basse. Monsieur le maire. Là-dessus, on a vécu l'expérience à Pittsburgh. La bunker suite, donc bunker, probablement c'est parce que c'est à l'étage c'est inférieur, super. Puis c'est vraiment dans le sous-bassement. L'entrée de cette suite-là donne, en face, vous avez l'entrée de la chambre des joueurs. Bon, pour un maniaque de hockey, il y a déjà un petit quelque chose d'émouvant, là, peut-être. Puis il faut vraiment être maniaque. Peut-être que Mme Gilbert n'aurait pas la même émotion que moi. Et donc, les gens sont là à souper, à prendre un verre. Les joueurs passent à côté d'eux autres pour d'autres, là, je pense que bien des gens, c'est une autre émotion. Ils quittent la suite, ils vont s'asseoir dans les premières rangées, hein, qui donnent, qui est adjacent au bas des joueurs. Alors, c'est quand même une belle expérience. Et on en a deux. Parce qu'à Pittsburgh, mon souvenir, c'est qu'il y en a seulement un. Et ils appellent ça, évidemment, la suite 66. Vous ne serez pas surpris, hein, Mario Lemieux. Mais dans le cas qui nous occupe, il y en a deux. Alors, encore une fois, on était capable de... ces gens-là ont été capables de dessiner pour aller chercher des revenus additionnels pour ajouter un autre bunker suite. Évidemment, il y a il y a 4-5 places pour être au bout du banc des joueurs. Ça va coûter cher, évidemment. Hein? Je pense que pour aller s'asseoir là pour un match, ça va coûter cher. Puis, il va sûrement avoir des petites odeurs aussi. Madame Lortie, vous aviez terminé? Oui, Monsieur le Président. Alors, j'ai Monsieur Légaré maintenant. Ça va, Monsieur Légaré? J'ai Monsieur Poirier. Oui, merci, Monsieur le Président. Deux courtes questions. Question très pratique, puis vous allez le deviner pour ceux qui... vous avez parlé de siège. Je veux savoir la capacité portante parce que... et le confort des sièges. Parce qu'actuellement, quand je vais voir les remparts, j'ai un problème. Je vais vous dire, considérant le gabarit, je ne vous le cache pas, et je veux m'assurer que... parce que quand je vais m'asseoir dans le milieu, je ne suis pas capable. Regardez, non, mais c'est important, là, parce que... Gérald n'est pas le client... Je veux juste dire que Gérald n'est pas le client modèle pour bâtir l'amphithéâtre. Hein? Alors là, je ne sais pas si François Moreau peut... organiser ça avec quelques sièges spéciaux. Mais allez voir quelques sièges à vidéoter, M. le maire. Là. Votre micro, monsieur. OK, c'est bon. Oui, j'ai assisté juste pour votre information. Le nouveau salle de théâtre là, dans le Bourg-Neuf, le complexe de Bourg-Neuf. Des sièges, il y avait M. Bouard qui était présent, d'un confort puis d'une capacité. Je veux vérifier si c'est possible. Oui. Ben là, je veux vérifier. Est-ce que ça a été pensé ou pas, ou il y a une quantité de sièges qui est prévue à ces fins-là? Silence, s'il vous plaît. Silence. La dimension des sièges varie dans l'amphithéâtre en fonction des espaces. Les sièges généraux, soit dans la partie basse des gradins ou la partie haute des gradins, a été fixé à 21 pouces. Alors, c'est un compromis entre une densité maximale et un confort optimal pour un gabarit, je dirais, standard de la population. C'est plus large que qu'est-ce qu'on retrouve au Colisée Pepsi.
ici actuellement, si je me souviens bien, ils sont à 19 pouces. Alors, on gagne déjà en confort. Chacun des sièges est aménagé avec des supports aussi, des appuis-bras de part et d'autre. Et c'est des sièges rétractables fixés sur l'arrière des gradins. C'est sûr que dans les zones club ou encore dans les zones de suite corporative, les sièges sont plus grands. Ils vont jusqu'à 24 pouces de dimension. Alors, c'est encore pour donner plus de confort. Ça va. Alors, moi, en ce qui concerne... Allez-y, monsieur. J'ai compris, il faut mettre au régime. Bon, l'autre information, c'est un point d'information. En ce qui a trait des fiches, l'affichage commercial, est-ce qu'il y a des espaces de prévu, ce qui sont les loges? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Là? Cet aspect-là va être abordé par mon collègue Sylvain Daniel. Je vais vous présenter qu'est-ce qui est intégré au niveau technologique pour l'aspect commercial dans l'acteur. Très bien, merci. Une dernière, si vous me permettez, allez-y. Monsieur le Président, au tout début de vos propos, vous avez parlé on parle de concept, puis vous aviez dit que c'est un exercice en développement, en évolution, puis l'organisation des pièces, il y a encore des ajustements à faire. Est-ce que vous faisiez référence uniquement à la façade de l'hippodrome ou ça touchait l'autre ludoplex ou c'est exclusivement par rapport au concept, là? Le concept, effectivement, la façade, tout le traitement architectural de la bâtisse, même la coupe de mur et tout ça, est en conception actuellement, est en cours, mais ça va même jusqu'en dans l'organisation des plans. On est confiant d'avoir trouvé une solution fonctionnelle pour chacun des niveaux, mais il peut y avoir des petits ajustements au niveau des pièces, de déplacer certaines pièces. On peut déplacer le local qu'on a ici, l'amener de l'autre côté et vice-versa, toujours à l'intérieur de la même surface, à l'intérieur des mêmes gabarits pour des questions de fonctionnalité et des contraintes qu'on pourrait avoir autres qu'on n'a pas encore figurées, mais qui sont analysées. Merci. Ça va? Merci. Et Mme Doyle. Merci, Monsieur le Président. Exactement, Monsieur le Maire. Donc, dans un premier temps, merci d'être là. Et j'ai très hâte de pouvoir le voir une fois terminé. Bon, je vais aborder un petit peu dans le même sens que Monsieur Poirier, mon collègue. Pas au niveau des sièges, mais quelque chose qui était un irritant pour moi, je suis certaine, pour plusieurs gens. Et même... j'avais demandé à les gens, quand ils sont allés visiter Pittsburgh, de constater si c'était le cas à Pittsburgh, c'est la file d'attente devant les salles de bain. Est-ce que, là, je vois, là, j'ai un peu de difficulté à nuancer entre les couleurs, mais si je comprends bien, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en ligne de compte dans la conception, le nombre de salles de bain et les emplacements? Est-ce que, si je comprends bien, il y en a à chaque extrémité? Oui. Ça a pris... Encore une fois, c'est une très bonne question et un point sensible, à la fois pour la question de revenus, de confort de l'usager, de l'expérience client. C'est un point sensible. Et même, je retourne ça au niveau de l'opérateur et de l'événement pour rentabiliser le temps que tu passes à faire la file pour aller à la salle de bain, mais tu la passes pas devant une concession pour acheter quelque chose. Alors, c'est vraiment dans un souci de confort client avant tout, où est-ce que le nombre de sanitaires dépasse largement le nombre minimal requis par les codes. Alors, le Code national du bâtiment nous contraint à aménager un nombre de salles de bain en fonction du type d'utilisateur, du nombre d'utilisateurs de chacun des sexes, sans vous donner le nombre exact actuellement et le pourcentage de majoration exact. C'est largement supérieur à ce que les codes exigent, exactement dans ce souci-là. Monsieur le maire, merci beaucoup. Si je peux ajouter, en visitant Pittsburgh, fallait y penser, mais j'ai trouvé ça génial. Dépendamment des spectacles qui y sont présentés et de la clientèle potentielle estimée, on change le genre d'accès aux toilettes. Exemple. J'espère pas me tromper, puis je ne veux pas m'enfarger. Vous avez Metallica un soir où normalement vous avez une proportion de gars plus élevée que de filles. Et vous auriez, admettons, Michel Louvain, où potentiellement on peut croire qu'il y a plus de filles que de gars. Et donc, dans ces cas-là, les gestionnaires de l'amphithéâtre de Pittsburgh font en sorte qu'il y ait plus de toilettes pour les femmes dans un cas ou pour les gars dans un autre cas. Ça veut dire qu'une toilette qui est réservée aux gars, un soir, peut devenir réservée aux femmes. C'est quand même pas bête. C'est quand même pas bête. C'est un détail, mais
ils nous ont expliqué ça, ils ont tout analysé ça, puis ça fait plein de sens. Parce que je savais qu'il y avait des grandes préoccupations du côté de mon amie Mme Doyle. Alors, c'est brillant, mais il fallait penser. Puis il ne faut pas se tromper sa clientèle, ça c'est sûr. Il reste que l'équipement de la toilette n'est pas toujours nécessairement le même non plus. L'équipement de la salle de toilette n'est pas le même non plus. Mais monsieur enfin, le Président, c'est sûr... Pensé à ça, monsieur le maire? C'est sûr que c'est pas... on comprend. J'ai épuisé la liste des questions sur la présentation de M. Moreau. Je recommence une deuxième tournée parce que M. Bussière m'a dit qu'il y avait d'autres questions. Alors, M. Bussière, toujours sur le bâtiment, sur la présentation de M. Moreau. Oui, donc, la première question, c'est au niveau de la présentation, on nous a présenté les surfaces, sincèrement, qui ont été un total de 67 580 mètres carrés, donc plus ou moins 5 000 mètres carrés pour le duplex. Mais on parlait de nous de 70 000 mètres carrés qui descendaient à 64 000 mètres carrés. Et là, on nous donne une description souvent des mètres carrés détaillés par les aires de circulation, etc. Moi, je voulais savoir, entre l'esquisse, parce que vous avez dû faire des choix, est-ce que M. Claude Rousseau, qui a été conseiller spécial dans la restriction du projet, parce que vous êtes passé de 70 000 mètres carrés à 64 000 mètres carrés, quels sont les espaces qui ont été vraiment sacrifiés ou modifiés en termes d'espace par rapport à vos esquisses ou le projet initial comme tel? Parce qu'on a dit qu'on a fait des efforts. C'est vraiment un expert. On aimait avoir M. Rousseau ce matin pour voir sa contribution dans la modification du projet. Mais vous, vous êtes en mesure de savoir quelles sont les indications que M. Rousseau vous a données, pour M. Bédard ou M. Moreau, à savoir, mais est-ce qu'on a réduit, par exemple, je sais pas, l'administration ou en fait l'espace des équipements sportifs? Est-ce qu'on a maintenu quand même, lui, il disait, on peut pas toucher ces 20 000 mètres carrés pour les spectateurs, si on touche pas à ça, on touche pas à telle place, mais on coupe à telle place. Nonobstant, là, du 5 000 mètres qui s'en va du duplex. C'est bon. Ma première question. Ben, je peux... La contribution de M. Oui, M. Bédard va compléter, M. le Président, la réponse à cette question-là. Le premier point qui est important, c'est qu'en amenant le bâtiment, premièrement, M. Rousseau nous a passé une commande, collectivement, et M. Bédard, c'est pas M. Rousseau, mais c'est plutôt M. Bédard qui nous a passé une commande de réduire considérablement la surface du bâtiment. Parce que les budgets, on n'était pas capable d'atteindre les budgets escomptés. On avait des contraintes dans le premier site, ben, vous le savez, puis vous allez voir tous les détails tout à l'heure. On avait des contraintes en plus de contraintes de sites que vous connaissez tous maintenant et de sites contaminés et tout, on avait des contraintes aussi urbaines, parce qu'on s'intégrait sur une artère principale, on s'intégrait sur un quadrilatère, on avait des contraintes urbaines immenses que l'on n'a pas dans le site de l'hippodrome. Alors, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la forme, le bowl, il est défini par lui-même. Alors, le bowl a été préservé en presque totalité, et à l'exception d'une chose, un second niveau de suite. Parce que on avait, dans l'esquisse préliminaire, on avait un second niveau de suite qu'on a réadapté, réinterprété avec des salons pour diminuer cette emprise-là. Et on a eu l'ingéniosité, pas moi uniquement, là, mais notre équipe, d'arriver avec une solution alternative pour ramener des salons corporatifs dans un nombre acceptable par tous. Et d'arriver avec un hybride qui est construit à l'intérieur des coursives. Ça ne s'est jamais fait dans aucun amphithéâtre. C'est la première fois que cette nouvelle approche-là est mise en plan. Alors, on a réussi, en n'ayant plus de contraintes urbanistiques, d'arriver avec la forme de l'œuf, finalement, la forme qui représente la forme du bowl, et d'arriver avec cette forme-là et d'intégrer en plus l'ensemble des noyaux de service à l'intérieur de la forme. Et ça, sans rentrer dans les détails, c'est un exploit, là. Ça avait déjà été fait au Sprint Center avec nos partenaires architectes, la firme Populus de Kansas City. Ça avait déjà été fait là, pour le Sprint Center à Kansas City, un peu différemment. Mais ici, on a réussi à reproduire cet élément-là et on l'optimise encore plus. On vient faire, pour un détail technique, l'ensemble des contreventements à l'intérieur de ces quatre puits-là. Alors, il n'y aura pas de X-bracing partout à l'intérieur de la bâtisse, ce qui va amener encore plus de flexibilité sur l'utilisation de l'espace.
Alors, ce qu'on vient faire, ce qu'on a récupéré, la majorité de la surface qui a été récupérée, et ça, M. Bédard va le démontrer tantôt dans un tableau très clair, se situe au niveau des circulations et ce deuxième niveau-là qu'on a éliminé. Donc, on est venu réduire la surface, la hauteur du bâtiment, qui a contribué énormément à réduire les coûts, et on est venu réduire la surface de plancher également. Je me permettrais d'ajouter, M. Bussière, cette question-là. On a un tableau où on présente exactement les coupures qui ont été préparées. On va le voir un peu plus tard dans la présentation. On reposera la question. Autre question, dans le concept aussi, si on peut avoir la diapositive de la page 3, là, en coupe, là, c'est page 3, oui. Page 3. Non, 5, c'est la page 6, 7, 8, c'est le tableau 3. On n'a pas en coupe le souterrain, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que pour la rampe, là, on n'a pas en coupe le ce qui est construit en dessous de l'amphithéâtre du Colisée. Non. Et dans votre concept, est-ce parce qu'on avait dit à un moment donné qu'il y aura des salles d'entraînement sous la patinoire, il y aurait des équipements là, de scène ou autre, parce que peut-être que les camions qui doivent se rendre directement sur la glace, ça va, ils peuvent se rendre. On a 13 à 14 mètres de dénivellation que vous avez expliqué tout à l'heure. Mais la coupe en dessous de l'amphithéâtre, comme dans les Colisées romains, on faisait jaillir du sous-sol une scène, oui, ou une plateforme. Là, c'est comme si on faisait une dalle, puis c'est du sable compacté en dessous de ça, puis ça arrêtait là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Bien, en dessous de ça, c'est le sol. Alors, comment ça va coûter? OK. L'amphithéâtre est construit sur des pieux. Donc, on voit des têtes de pieux ici, là, sur les éléments structuraux. On en voit quelques-unes juste pour illustrer le principe. Naturellement, la dalle qui est là, c'est une dalle sur sol. Elle est structurale à certains endroits pour des raisons techniques, parce qu'il y a de la mécanique qui passe dessous. Mais sinon, c'est vraiment le niveau d'implantation. Et ce niveau d'implantation-là a été défini de façon scrupuleuse en fonction du niveau de la nappe phréatique, des risques d'inondation, de ressourcement de la nappe phréatique sur une période de 100 ans, etc. Donc, on est venu vraiment fixer ce niveau-là en fonction de la qualité du sol aussi, de ce qu'on retrouvait et tout ça. Donc, le niveau de la dalle a été fixé ici et il n'y a rien en dessous. Ça se faisait dans les Colisées romains, effectivement, d'arriver avec des espaces en dessous où est-ce que des gens apparaîtraient. Mais dans les nouveaux amphithéâtres du genre, ça, malheureusement ou heureusement, ça n'existe plus. On n'en voit plus personne se faire manger par des lions. Mais donc, cet espace-là... Ça dépend où. Ça dépend où. Cet espace-là est souterrain. Et par surcroît aussi, il y a une partie du remblai qui va se faire autour du bâtiment. Donc, de la terre d'excavation qu'on vient faire pour l'amphithéâtre, on va en utiliser une partie pour venir faire des remblais au pourtour du bâtiment. C'est encore dans un souci d'économie, à la fois pour sortir le matériel du site, c'est une économie, puis en même temps, bien, ça réduit la hauteur du mur extérieur. Donc, ça vient créer des espaces, des gradins extérieurs qui peuvent être intéressants. Puis, dans le cours du concept, on continue à cheminer là-dessus. Puis à la prochaine présentation, on va vous présenter des trucs intéressants là-dessus aussi. Mais donc, ce niveau-là est complètement souterrain. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire un lien. Le lien n'est pas très long, là. C'est vraiment entre le ludoplex pour connecter l'ensemble des fonctions du ludoplex intérieur, de façon intérieure et sans passer par le restaurant sportif, parce que c'est un opérateur privé qui est à ce niveau-là. Le seul lien actuellement qu'on a, c'est au niveau du restaurant sportif. Bien, au niveau du ludoplex, il fallait un lien pour toutes les fonctions qui sont là avec l'amphithéâtre. Alors, on le fait de façon souterraine. Et que ça arrive donc à ce niveau-là. Ça n'arrive pas en dessous, là. Souterrain, ça va arriver au niveau des événements. Parce que vu que lui, il est sous le sol, alors on a juste un léger tunnel ici à faire de ce côté-ci pour faire la connexion avec le ludoplex. Donc, je comprends bien, sous la dalle de la patinoire, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de construction en dessous. Vraiment, là, c'est sur le pourtour de la bâtisse comme telle. Moi, j'avais une question par rapport à l'ordre des architectes. Il y a eu, à un moment donné, un débat, la première fois qu'on a entendu parler M. Bédard publiquement au 93, FM 93. C'était tout le débat par rapport à le mode de fonctionnement pour un architecte. Je ne sais pas vous si ça vous a causé un problème. Et l'information qui avait été donnée à Annecy-Lavalin et ce qui avait été privilégié, ce que les architectes avaient été privilégiés. Puis on avait dit, puis vous, M. Bédard, qui êtes un expert, quel est le pourcentage moyen des coûts de dépassement dans des projets comme ça? C'est normalement en construction, c'est sûr que c'est pas une construction immobilière, il y a des coûts ou des normes fixes de dépassement.
pour la même envergure. Vous avez déjà piloté des grands, grands projets. Puis pourquoi avons-nous, peut-être vous allez répondre aussi tantôt, pourquoi avons-nous, pas surestimé, mais vraiment le contingent de ce projet-là, il est comme surévalué. Et donc, je voudrais savoir par rapport à un projet qui nous présente comme ça, au point architectural, un architecte, un ingénieur va dire, bien, il y a toujours tel pourcentage. Donc, je voudrais vous entendre sur ce pourcentage éventuel, puis aussi savoir est-ce que dans le processus que complété, en fait, ce que vous avez dit au 93, tout est rentré dans l'ordre de l'ordre des architectes. Rapidement là-dessus, s'il vous plaît, parce que c'est pas vraiment le... Bien, c'est dans la présentation de cet après-midi, M. Laliberté. Bon, allez-y, ouais. Répondre, M. Bédard. C'est pour ça que je dis que c'est pas dans la présentation de M. Moreau de ce matin-là. Mais rapidement... Bon, ben, dans un tel projet, c'est quoi, normalement, un projet architectural comme ça, le pourcentage? Je m'en voudrais de répondre immédiatement. Je vous donnerai une réponse totalement décousue. J'aimerais mieux adresser cette question-là, je trouve que c'est une excellente question. On va en prendre charge, on va la traiter en profondeur dans la présentation. J'avais prévu une telle demande et puis on va l'adresser en profondeur, soyez-en certains, un peu plus tard en après-midi. Mais la question est tout à fait pertinente. Alors, M. Guilbeault, vous aviez levé la main pour d'autres questions? Oui, M. le Président. Pittsburgh, quelle est la surface exactement à mettre de cet amphithéâtre-là? ...67 400, si je me souviens bien. On a cette donnée-là, on va vous la transmettre. On a fait une étude comparative qui va vous être présentée dans une présentation. Alors, celui-ci, d'après votre projet, à la page 4, là, c'est un projet de 65 580, moins plus ou moins 5 000 mètres pour le duplex. Le duplex, on comprend que c'est, si je comprends bien, est attenant. Il n'est pas dedans. C'est-à-dire, vous ne construisez pas par-dessus, il va être attenant. Non, non, tout à fait. C'est correct? Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui va faire le changement de 5000 mètres dans l'amphithéâtre? C'est beaucoup moins que Pittsburgh à ce moment-là. Puis on s'entend que pour le duplex, c'est pour, évidemment, présentation télévisée et plateau de toute forme, là, dans le duplex. Et, bon, pour les fans québécois. C'est quoi qu'on enlève, finalement, dans l'amphithéâtre, là, pour 5000 mètres carrés par rapport à Pittsburgh? Oui, cet après-midi, on va expliquer plus en détail un tableau, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Pittsburgh avait une contrainte d'intégration urbaine. Comme le Centre Bell à Montréal, il était construit dans des quadrilatères de rues existants. Et il devait se rendre et interagir avec chacun des niveaux. Une particularité de Pittsburgh, entre le niveau le plus bas, d'un côté de l'amphithéâtre, et de l'autre côté, il y a l'équivalent d'à peu près 6 étages de différence. Alors, ils ont été obligés de construire un immense corridor avec des escaliers roulants pour amener les gens dans un hall central au niveau haut, à partir du point le plus bas, à un point d'entrée. Fait que juste ce corridor-là demandait énormément d'espace. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les circulations, tout dépendant du type d'intégration qu'on vient faire dans la ville pour un projet, influencent énormément les surfaces globales de l'amphithéâtre. Alors, c'est pour ça que Pittsburgh, oui, a beaucoup plus de circulation à cause des contraintes d'implantation. À Québec, avec la forme que l'on a ici, on était capable de rationaliser ça énormément. On a moins d'espace perdu. On a moins d'espace perdu. C'est ça. C'est ça, moins d'espace de circulation. Maintenant, quand on construit une bâtisse, on pense toujours au sol en dessous et la fondation qu'on va faire. J'ai rien vu quant à la fondation et la problématique du sol. Est-ce que vous avez fait suffisamment d'études à ce jour pour savoir si le sol est solide, suffisamment décontaminé, pour avoir une fondation standard ou encore faut-il penser aux problèmes sismologiques, là, ou encore faudrait-il, ou vous pensez qu'il faudrait des pieux? Est-ce que vous êtes avancé dans ce... Parce que c'est bien beau de parler des toilettes puis tout le reste là, dans le théâtre, là, mais on va commencer par la fondation et par le terrain. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Cet après-midi, M. Bédard a un pan de mur de présentation par rapport à ça, tous les tests et les recommandations qui sont faites là-dessus. Alors, ça va vous être expliqué en détail cet après-midi. Bon, alors, il faut revenir après-midi. Moi, je voudrais rassurer M. Poirier pour ses sièges, parce que dans l'entente avec Québécois, la ville s'est réservée un salon complet
pour toutes les représentations. À la discrétion du maire, alors vous pouvez vous entendre avec M. le maire s'il y a... Monsieur le Président, excusez-le. Oui. Excusez-le. Monsieur le maire. Okay. On peut-tu, par respect pour les gens qui sont là, regardez, il me posera ces questions-là au conseil de ville, il fera de la politique tant qu'il voudra, par respect à ceux qui sont ici, il peut-tu poser des questions sur l'amphithéâtre? Lundi prochain, il y a un conseil, il se payera à traite, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment de la fille de la petite politique. Il veut apprendre quelque chose, qu'il pose des questions, puis lundi prochain, il fera de la politique tant qu'il voudra. Monsieur Guilbeault, avez-vous d'autres questions sur la présentation de M. Moreau de ce matin? Oui, la question, c'était d'informer le public. Le public, ben, question, Monsieur Guilbeault, on informe le public ici en posant des questions, comme j'ai dit ce matin, sur chacune des présentations. Et là, ils n'ont pas présenté de salon réservé à la ville ce matin, là. Mais oui, c'est pas des... ça, là. Écoutez, on a une présentation. Mais quelle est votre question sur laquelle... Monsieur Guilbeault, quelle est votre question sur le dossier, la présentation de M. Moreau de ce matin? J'avais une dernière question pour M. Côté. Maintenant qu'on sait qu'il y a un salon pour la ville. M. Côté a dit que... Quand le duplex était construit, que la ville avait fait construire une autre bâtisse pour déménager les fonctionnaires de la ville, pour les employés de la ville, est-ce qu'il peut me dire le montant du coût de cette construction-là? Parce qu'on nous a présenté le 33 millions comme le coût de la construction du duplex en 2006. Alors, bon, j'aimerais ça que ça soit éclairci, cette question-là. Merci. M. Moreau? Monsieur Côté, répondre à ce question. Monsieur Côté? Monsieur le Président, à ce que je cherche le détail du coût du 33 millions, j'inviterai M. Guilbeault à s'adresser au gouvernement du Québec. Bon, j'ai maintenant Mme Guérette qui avait d'autres questions sur la présentation de M. Moreau de ce matin. Oui, merci M. le Président. Premièrement, quand on regarde sur le site de la ville, dans les étapes, l'échéancier, ben, quand j'ai regardé, disons, le 16 février 2012, dans les étapes à venir, on parle de la réalisation des plans et devis préliminaires pour le printemps 2012. Quand on regarde aujourd'hui, en avril, sur le site, il n'y a plus de date. C'est écrit plans et devis préliminaires, il n'y a plus de date à côté. Maintenant, quand on regarde votre document... Mais c'est une partie des plans et devis préliminaires. Je voudrais savoir où vous en êtes rendu à l'étape des plans et devis préliminaires, puisque vous êtes l'architecte en charge de ça. Monsieur Moreau. Oui, tout à fait, Mme Guérette. Monsieur le Président, pardon. Le détail complet de l'échéancier va être présenté par Monsieur Bédard cet après-midi pour chacune des étapes. Merci. J'ai une petite question courte, puis une autre après ça. L'aménagement de la place publique, est-ce que ça fait partie de votre... est-ce que ça faisait partie du mandat initial? Est-ce que c'est un mandat qui va être octroyé plus tard? J'aimerais avoir des informations à ce sujet. La réponse est non. Ça ne fait pas partie de notre mandat et j'ai aucune idée à savoir comment ça va être attribué par la suite. Là. Parfait. Merci. Ça répond bien à ma question. Ma dernière question. Changement de site. On a changé de site, vous savez, lorsque les professionnels, par exemple, ont déposé les soumissions le 12 septembre 2011, le site, c'était à l'angle Amel, boulevard Laurentien. Depuis ce temps, le site a complètement changé d'endroit. Donc, c'est pas la même nature du sol, c'est pas les mêmes pentes, c'est pas les mêmes contraintes. Est-ce que, donc, première question, est-ce que ça change les échéanciers? Est-ce que la date du 15 juillet 2015 est encore la même? Puis les pénalités qui vont avec aussi, s'il vous plaît. Les honoraires, est-ce que l'équipe de professionnels ont chargé des honoraires supplémentaires parce qu'il y a du travail qui avait sûrement commencé d'être fait, il y a des changements. Donc voilà mes deux questions. Changement de site, qu'est-ce que ça a comme impact sur les honoraires des professionnels? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les échéanciers ainsi que sur les pénalités qui sont prévues? Monsieur le maire. Écoutez, ce sont d'excellentes questions. Alors, je pense, j'ai l'impression que toutes les questions qui s'en viennent, on est rendu à la prochaine étape parce que toutes ces réponses-là s'en viennent. Moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président, à moins qu'il y ait d'autres questions, Monsieur Moreau, allez-y, il n'y a pas de problème, mais juste une question d'arrière. Nous, on tient une conférence de presse à 12:15. Moi, je comprends qu'il y a des journalistes qui ont des devoirs à faire pour midi. Monsieur Nolin, c'est-tu bien ça? Et
S'il y a d'autres questions, M. Moreau, ce n'est pas de mes affaires, mais je veux dire que j'ai l'impression que de plus en plus les questions s'en viennent pour la prochaine étape. Oui. Alors, je sais pas, comme vous voudrez. Confirmer qu'on va avoir si, une réponse à tout ça, c'est correct. Alors, si est-ce qu'il y a des élus, des membres du conseil qui ont d'autres questions pour M. Moreau avant qu'on lève l'Assemblée pour dîner? M. Bussière. Oui, comme on a un après-midi chargé aussi, oui. Mais il y en a parce que c'est une question en architecture. Lorsqu'on voit le plan d'ensemble, j'ai bien compris, j'ai pris un crayon rouge pour faire le tour de votre mandat. Vous avez fait le tour, effectivement, de le retracer, effectivement. Ah, c'est du duplex, vous n'avez pas le contrat? Oh, ben, excusez-moi, oui. C'est-à-dire. Oui. Donc, vous avez du duplex. Oui. Puis pour, là, vous faites le pourtour. Bon, avec ma question et celle-ci, vous nous avez expliqué un peu l'arrivée là pour les camions de déchargement avec la pente, tout ça. Vous avez fait le pourtour, vous avez donc dans votre mandat les stationnements. C'est-à-dire on a les 125 cases de stationnement, effectivement. Bon, les 125 cases de stationnement fait partie de votre mandat. Oui. C'est parce que dans le document, c'est marqué hors projet. Puis c'est 3 millions. Stationnement réservé, 3 millions. C'est hors projet. Donc, vous avez le mandat quand même des dessinés. C'est-tu hors projet, puis vous avez le projet, ça coûte 3 millions. Oui. Oui. Allez-y, M. Bédard. Je peux répondre à cette question-là. On peut peut-être passer tout de suite, si vous voulez. Le stationnement de 125 places, qui est un stationnement réservé, c'est partie intégrante du projet de 400 millions. Donc, il n'y a aucune case souterraine? C'est un stationnement à accès contrôlé, couvert, mais pas forcément souterrain. Il n'est pas souterrain. Pas souterrain, mais il est couvert. Il est couvert. Pour les VIP. OK. Une dernière question, là, rapide. Allez-y. L'heure avance, puis il y a une conférence de presse pour M. le maire. Je voulais savoir, vous, le mandat que vous avez eu, avez-vous été accompagné aussi par Infrastructure Québec dans votre mandat ou vous avez tout simplement présenté vos esquisses, enfin, des commandes que vous avez eues parce que vous avez, je sais qu'on va voir ça, les honoraires, les coûts indirects, l'après-midi, j'ai vu plus tard qu'on va voir ça, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez travaillé seulement à votre bureau d'architecte ou ça a été aussi avec les architectes d'Infrastructure Québec qui vous ont accompagné dans votre projet? Alors, il n'y a pas de service d'architecture et infrastructure Québec. Ce n'est pas, il y a eu un accompagnement d'infrastructure Québec au niveau d'un comité directeur dont M. Bédard fait partie et M. Picard fait partie également. Et donc, nous, on n'a pas de lien direct avec Infrastructure Québec. On n'est pas lié directement avec Infrastructure Québec. Alors, on reçoit nos commandes de la Ville et en l'occurrence de M. Bédard. En complément, M. le maire? Juste pour ne pas laisser une mauvaise impression, M. Bédard va revenir sur la question du stationnement tout à l'heure. Alors, c'est pas nécessairement VIP non plus. Je vais donner un exemple. Peut-être que quelques-uns pourront expliquer, préciser un peu plus. Par exemple, si on vise un club national, il y a des règles d'accès pour les joueurs, les arbitres, ils doivent avoir des accès sécurisés, etc., etc. Bon. Alors, c'est pas nécessairement seulement VIP. Alors, c'est qu'il y a des règles qu'on doit suivre. Et si on doit, si le propriétaire, le gestionnaire veut appliquer pour avoir un club de hockey, il faut qu'il fasse la preuve qu'il se soumet aux règles de la Ligue nationale, par exemple, qui impliquent des stationnements avec entrée sécurisée, par exemple pour les joueurs. Complément, M. Picard. Concernant le rôle d'Infrastructure Québec, il y aura une présentation également tout à l'heure où seront présents M. Marcoux, directeur général de la Ville, et M. Luc Meunier, qui est président d'Infrastructure Québec, qui viendront nous parler de gouvernance au sujet du comité directeur, entre autres choses. M. Bussière. Juste pour conclure, je voudrais quand même, en terminant, dire que les esquisses que je vois ce matin font preuve d'un grand professionnalisme et soumis à la qualité de l'architecte. Alors, en ce qui concerne ma liste, j'ai épuisé les gens. Nous en sommes rendus à presque midi. Alors, nous allons suspendre, mais il y a une modification à l'horaire. C'est qu'au lieu de recommencer à 13h30, nous débuterons nos travaux à 13h précises avec une présentation de M. Bédard. Alors, je vous convoque, là, c'est important d'être là à 13h précises parce que nous allons débuter à 13h. Alors, bon dîner tout le monde. À tantôt. Thank you.